Zamitay Haïti Media on yo gen en pile moun ki souvent ap di parfois la vie ça c'est un boule qui lié c'est ou lé la pou lé et tout sa fait la dan ou ap wèl. Mouche Dimitri Erard ki actuellement nan pénitencier national figi mouche ya li ale net li maké ti ta manjay bagay yo vraiment pas bon pour monsieur Dimitri en dan et fòm di nyon lòt bò la police nan okay y ap travay d'arrache pied et c'est en question de zéro tolérance y ap appliqué nan département sud pays d'Haïti. M'a demandé un signe d'encouragement et de reconnaissance pour nous capables abonner avec channel YouTube Haïti Media on là. L'offre fait ça, ou permet channel avancer plus devant et ou même ou prêter en bas pied banane information. Bonjour bonsoir amis yo, comment nous y est? Est-ce que nous en forme? Est-ce que n'a kembe? Toujours même love là, même plaisir à chaque fois. Ou d'accord, fait clic ça pour coûter voir information en cap bon détail yo sans ouiter, sans mettre. Grand moun yo gion parole ou bien yon bagay yo souvent abdi ou que la vie ça c'est grand chien lié c'est derrière li gardé si tout les wap fait mal parce que après tout complot qui t'a fait pour touyer ancien président république là en parlant de Jovenel Moïse pièce moun pas de penser si monsieur Dimitri Erard li t'a impliqué dans un bagay comme ça pour façon il t'ai fait preuve 7 février 2021 mais tout moun dit ça c'est ton maniguette et mes amis Haïti Media on yo faut me dit nous force légale dans pays d'Haïti après enquête t'a mené yo t'es obligé pimper Mouche Dimitri Erard nan pénitencier semblerait-il que chef la li même ni pas jam konnen réalité prison si la parce que depuis les li entré en dans prison ça li ou elle comprend ni pas chef encore formel qui dit yon chef pas en jouet là li tombé là pour là et fòm dou tout toute raison ça vinn englobé qui fait monsieur li même c'est crier la crier tout en dedans ti figil ali net koué a an so ki nan sérum parfois li font ti goûter mais pas gen appétit et fòm di nou tout pendant m'a ba nou détail ça yo retirer ça fait foua dans tête nous parce que moi puis fort média sur réseau yo c'est y a pas long seul cause que Dimitri Erard li fou même m'a dit nous toutes ces maniguettes que confio lolio a fait pour est-ce que ou t'es capable prendre monsieur allons ensemble psychiatrie avec et puis sortant d'ailleurs cap chercher là li fond quoi un coup de zéclé mais faut me dit nous mon chat si c'est pour crier l'a crier si c'est pour goûter parfois le goûter même bouche pas trop goût m'pa connait si son regret qu'il gagnait le fait qu'il était impliqué non j'en débarrasse comme ça et m'a dit nous malgré au dichimé là j'en pas gain piquant mais faut me dit nous l'or souhait ou faire comme là le plus bon mais pas dans deux genres de trick ça ou pour entrer là-dedans qui vient là qu'au jour aujourd'hui a ou sans respect devant même monde ou te qu'on a arrêté ça arrête dans puis lui les ou même en tant que mon chef ou te qu'on a marré quelque devient de la société a dit mettre en côté pour machine pas frapper yo journée aujourd'hui a c'est ou même encore même quand on a le mettre monde ou te qu'on a arrêté journée aujourd'hui a et ou même qui dans espace ça et c'est si pour yon poalou qui sous d'eau qui ses affaires ou été ou bien assassiné président république là Jovenel Moïse Jean Jovenel te fait Dimitri Erard sa confiance et bien même yon peuple a dit poisson fait de l'eau confiance mais c'est de l'eau qui bouille bagaille vraiment grave bagaille vraiment en pile zami Haïti Media on yo l'autre détail qui me va le partager avec nous là comme dit déjà ça fait foi retirer dans tête nous pas comme après retourner sous lui encore parce que monsieur Ali même li pa gagne rien seulement li gagne regret cap manger li cap maone tout en dedans parce que ça passe à la personne pas de penser si c'est comme ça réveil li t'a sorti nan bolette là DCPJ déjà transféré yon rapport qui gen plus que 800 pages et yon résumé qui gen 20 pages concernant zafè enquête qui t'a tamen pour qu'on est vrai coupable yo nan zafè assassinat contre Jovenel Moïse là et forme dit nous commissaire du gouvernement li déjà recevoir enquête si là et yon transféré li dans cabinet d'instruction mais forme dit nous depuis les dossiers ça arrivé là droit un tribunal première instance là li déjà contacté trois juges pour louer est-ce que nèg yo té capable prendre en charge des dossiers si là même pas bon menti dossier ça semblait une cigarette qui li mène dans plusieurs points parce que nèg yo y a fait bec à terre obligé à râler dada yo parce que tous les trois juges ça yo refusé pour yo ta instruire yo des dossiers amis Haïti Media on yo ça important intéressant pour me capable dit avec doit être tribunal première instance là ouais dossier ça mon cher son dossier qui vraiment chaud debout nèg yo après aller quoi pas aller al dans dossier a mon cher gien en pile angoisse yo capable joindre là dedans et l'autre bagaille qui important intéressant faut me dit tout avec doyen li pas doit a fait tête chaud pour là non choisir mais sélectionner un juge pour ta instruire des dossiers ça parce que non seulement juge la prend il faut qu'il prend un juge qui est capable faire confiance pour pas en faire diversion avec causer ça et en même temps amis Haïti Media on yo l'autre
bagay ki important intéressant fòn konnen tout mezi sécurité a supposé assurer li dwe en forme bon côté juste ça ki ta pral pran tête dossier fòm di nzanmi Haiti Media on yo si nèg sa yo te jwenn moyen pou touye Jovenel Moïse nan façon en pile nan nou te konnen déjà c'est pas un juge instruction pour nèg sa yo pa ka tire et n'tande tout même moun ki te fait constat même greffier yo nan pran gros pression là imaginez nous pour un juge à l'instruire des dossiers après les moun nan bureau ap tande moun ki pral di bon mes sanctions comprenn tout ça yo important intéressant et forme di nous dossier ça li vraiment sensible si doit tribunal première instance li même li pou ka jwenn moun pi gal fè tèt chaud parce que yon bonjour on sort attendé dossier ba yon moun li la et puis sort attendé a son moun tout nan manche li fè sale konn avec dossier a ki te rat manger tout feuille papier yo nan tiwa il faut que la justice tranché il faut que yo jwenn yon moun ki intègre pour bay dossier ça et puis sort attendé a pour capable tracer yon exemple pa boy parce que nous souvent di nous c'est yon nan bagay la ki permet jè international la vraiment fixé sou nous et y a gardé ki ça n'a fait pour yon président de la république pour mercenaire colombien mettez avec mercenaire local pour yo wété la vie président comme ça pas oublier channel là c'est Haiti Media On et avec Moenga Haiti qui gagne deux produits là pour offrir nous gen zouti gen ban gen zouti a qui c'est yon pomade qui fait avec environ 8 produits organiques qui permet d'augmenter ou bien allonger tolpi nous de 3 à 5 cm de pour passer deux fois par jour fait ça pendant 2 minutes ou si vous avez un résultat dans moins que 2 mois et en même temps pas oublier gen ban nan c'est un comprimé qui fait avec 13 plantes naturelles qui permet li augmenter libido freiner sec conquépin ça qui pote non bec à terre et de pour prendre 3 comprimés chaque matin ou si poser gaya suite avec problème bec à terre chipé madame ou tap chipé ou depuis dik dans temps après a on fin bali sou carbone rele Moenga Haiti nan numéro qui passé en bas écran pour capable placer commande et en même temps si gen yon ti information besoin en plus y a communiquer ou li zami Haiti Media on yo l'autre bagaille que nous pral parler nan kad émission ça faut me dire nan okay gen 6 individu qui t'a prend le malin plaisir nan kase kay moun jodi 5 d'août là nan bloc Savane okay yon localité rele kon sa vers 3h du matin et ben moun sa yo qui t'a pé des cases kase plusieurs kay nan localité a ki al avec plusieurs matériel et faut me dire nous via avec vigilance la police mettait avec paquet nan okay et ben yo té obligé arrêter de nan présumé nek sa yo bien individu sa yo qui t'a tenté ou bien qui t'a volé à faire moun les amis Haiti Media on yo faut me dire nous gen l'autre 4 encore qui té obligé chaper pou yo parmi yo gen yon femme qui rele Nadège qui té nan koua et faut me dire de bandi sa ou bien de volé sa yo ki la police nan okay Marie Koukrabio yon pote non Mano et ensuite l'autre volé à lui-même li pote non Kenley l'autre 4 ti volé qui té en chaper pou yo nan yo c'est Nadège m'te di nou sa gran femme là-dedans gen ti Maxime gen Lele avec Audelin que la police nan ville okay y a cherché koué chien fou et l'autre de ti monsieur sa yo là yo gen tan nan prison y a pral répondre quelques questions pour connait depuis qui l'est et a fait zak ça mais vont dit ça tout bagay yo vraiment grave bagay yo vraiment en pile pa bo ici ça que t'a dit ça journée jodi a pour même femme ta lagué nan casser kay moun bon pa connait amis Haiti Media on yo m'a souvent répété parce que m'était toujours a dit ça l'lo wè que zoazo li même l'a volé ou pa ka empêcher le voler mais ou capable empêcher li vinn faire niche sous tête tout nous pral dit c'est victime société nous pral dit pa gen travail mais oui et ça pa volé ou hein et travail yo joine en tout cas bagay yo vraiment grave bagay yo vraiment en pile pa bo ici et me connaît moun ki nan zafè force légale nan ville okay nan département sud pays d'Haïti yo pa nan jouet yo pa nan bay bandi tété yo pa nan faire aucun alertement pour bandi depuis bandi a perdu des croisant diel moins connaît la joine avec Zogreni pa oublier application an l'hypoté non Zabdil c'est une application qui fait spécialement pour même qui nan zafè business et ou même tout qui gon bagay la kay ou ta remen vente ou pa gen clientèle pa gen problème fin download application Zabdil la mettez sur smartphone puis sortant de ya fait photo produit ya poster et ou joine majorité moun marchandil et en même temps acheter li nan mon parce que des pour mettez application Zabdil sur téléphone nous ou pa ka prend vitap nan marchandise ou yo et pa oublier tout sous ta remen
mais nous bon yon visibilité yon promotion des projets là dans produit là pas de problème contactez nous sur haitimediaone@commercialgmail.com pour un petit gap diamond n'a bon love là et en vérité dans moins que une semaine ou ab satisfait tellement produit là la marché koué yon pâté chaud ou ta remet tout ba nous yon sorte d'encouragement pas gen l'autre façon capable faire ça vidéo ça que ou ab gardé là pèse petit pouce là c'est-à-dire bon yon like et puis commenter partager dans tout groupe que ou même ou yé sur réseau et en même temps ou capable inviter yon zami yon famille découvrir maman Pemba qui pote non Haïti Media On. Avait déjà avancé les trois hypothèses qui s'avèrent de plus en plus, à savoir que la mort de Jovenel Moïse s'explique par la conjonction de trois forces réactionnaires, une force internationale, les États-Unis d'Amérique, deux forces nationales, c'est-à-dire les oligarques d'Haïti et la classe politique traditionnelle, ici incarnée par le PHTK. Et au fur et à mesure que les jours passent, eh bien, ces hypothèses se précisent pour, ainsi dire, devenir l'explication de l'assassinat de Jovenel Moïse. Et ce que je vais vous montrer ce matin, c'est que Jovenel Moïse a été assassiné par ces trois forces réactionnaires de manière à sauver le système d'exclusion en Haïti. Jovenel Moïse a été assassiné parce que plus Jovenel Moïse restait au pouvoir, plus le peuple haïtien était prêt à faire sauter le système. Et pour éviter que le système ne saute, on assassine Jovenel Moïse. Et je vais vous faire une hypothèse osée ce matin. Écoutez-moi bien. Je vais vous faire une hypothèse osée. On va se servir de Martine Moïse désormais pour sauver le système. Martine Moïse va devenir la gardienne du système d'exclusion haïtien. Martine Moïse, c'est la femme du défunt président Jovenel Moïse. Dans une entrevue que j'ai accordée jeudi dernier à une station de radio haïtienne, Radio Zénith, je la nomme, à 8h du matin, donc 24 heures après l'assassinat du président Jovenel Moïse, j'ai soutenu dans une émission, vous pourrez aller chercher cette émission de Radio Zénith que j'ai donnée le jeudi dernier, n'est-ce pas, à 8h, j'ai soutenu à cette émission, je pense que c'était vendredi, que le fait par Martine Moïse d'avoir été blessé n'est pas une erreur. Cela faisait partie du plan global. On a criblé de balles. Jovenel Moïse a reçu 12 balles. Jovenel Moïse. On a blessé son épouse. Mais les blessures de Martine n'ont pas été une erreur. C'est un avertissement qu'on allait lui faire. Tout a été prévu. On allait l'amener dans un hôpital chez l'ennemi. L'ennemi devient tout à coup un bienfaiteur. Et on allait lui scripter ce qu'elle allait dire. Nous sommes vendredi matin. Martine Moïse, avons-nous appris, a fait une déclaration sur Twitter cette nuit. Et je suis tellement heureux d'avoir prédit ce qu'elle allait dire. J'avais dit que Martine Moïse allait répéter exactement ce que l'État haïtien est en train de dire, à savoir que le président Jovenel a été assassiné par des mercenaires. Si vous allez entendre le voice de Martine sur Twitter, vous voyez bien que c'est un message scripté. Elle a dit, trois fois plus tôt qu'une, mon mari a été assassiné par des mercenaires, reprenant la thèse exact de l'État haïtien, reprenant la thèse des États-Unis d'Amérique. Et elle dit, on va poursuivre la lutte. Et là, ce qu'on va faire de Martine Moïse, c'est justement se servir d'elle pour légitimer, hélas, l'assassinat de son mari et la faire passer comme la martyre qui va désormais porter le flambeau de la révolution que Jovenel Moïse devait lancer. Et suivez bien, il se peut que l'international face de Martine Moïse, une candidate à la présidence, hein? Question de faire oublier le crime, question de montrer que le programme de Jovenel Moïse va se poursuivre. Ce faisant, on va faire de Martine Moïse la gardienne de la classe politique traditionnelle. On va faire de Jovenel Moïse la gardienne du système d'exclusion haïtien qui existe depuis 200 ans. Car ce qu'on ne veut surtout pas, ce que les États-Unis ne veulent pas, ce que les oligarques ne veulent pas, ce que la classe traditionnelle ne veut pas, c'est de faire sauter le système. Et la meilleure personne dont il faut se servir pour empêcher que le système ne saute, c'est d'aller chercher la veuve et de la faire passer comme la garante du système. Ça, c'est déjà vu, les amis. Ça, c'est déjà vu. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Vous savez, notre frère sénégalais, Tchekanta Diop, disait que nous, les Noirs, nous devons nous armer jusqu'aux dents de science. Dans mon cas, c'est les sciences historiques. Quand on connaît l'histoire, on voit clair au jeu
du paradigme occidental. Le paradigme occidental n'a pas changé depuis le 19e siècle, depuis la conférence de Berlin. C'est de décider de l'avenir des peuples noirs sans les noirs. C'est de leur donner l'impression qu'ils sont aux commandes de leur avenir, mais en réalité, ils sont comme des marionnettes qui sont, pour ainsi dire, bougées ou qui sont déplacées au gré des marionnettistes. Quelques exemples. Lorsque François Duvalier allait mourir, nous sommes en 71, François Duvalier est très malade, il sait que ses jours sont comptés, son médecin personnel, c'est un spécialiste américain, donc les services secrets américains savent que François Duvalier va mourir. La question se pose, qui doit remplacer François Duvalier? François Duvalier n'avait pas prévu la nomination de son fils qui était un jeune homme de 18 ans. Tandis que dans la constitution haïtienne d'alors, l'âge de la majorité c'était de 21 ans. Malgré le fait que les États-Unis condamnaient la dictature fasciste de François Duvalier, ils soutenaient François Duvalier parce que François Duvalier c'était le meilleur garant de système capitaliste contre le communisme en Haïti. Vous savez qui a proposé à François Duvalier que ce soit son jeune fils qu'il remplace? L'ambassade américaine. L'ambassade américaine a dit, écoutez, si à votre mort c'est l'un de vos ministres qui vous remplace, le système va éclater parce qu'il y aura tant d'intrigues à l'intérieur même de votre gouvernement que le système ne pourra pas tenir. Eh bien, le meilleur garant pour sauver le système, ça va être votre fils Jean-Claude Duvalier. Ne serait-ce que par respect pour le nom Duvalier, eh bien, tous les ministres vont être solidaires du système. Et c'est ainsi donc, on va se servir du fils de François Duvalier pour sauver le système. Bon, il est jeune, regardez bien, sa mère, donc la veuve de François Duvalier, est la première dame, elle est la régente en particulier. Et vient le moment maintenant pour le président Jean-Claude Duvalier de se marier. Jean-Claude Duvalier, vous savez, c'est le cœur qui aime, a choisi une mulâtresse dont les parents n'étaient pas des duvalieristes, etc. Cela a fait ébranler le système, mais pour sauver le système, on va choisir des titres. La femme du président Jean-Claude Duvalier, Michèle Bennett, devient la première dame. Et notez bien quel titre on va forger pour sa mère. On va l'appeler la gardienne de la révolution. Donc, on sauve le système tout en donnant l'impression de changer la façade du système. Premier exemple. Lorsqu'on a renversé Jean-Bertrand Aristide en 2004, tout le monde sait qui a renversé le président Jean-Bertrand Aristide. Ce sont les États-Unis d'Amérique, la France et le Canada. Ils ont kidnappé Jean-Bertrand Aristide, ils l'ont exilé, et ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était, si vous voulez, la combativité des partisans de Jean-Bertrand Aristide. Mais là, ils ont un problème. Comment sauver le système exclusif haïtien? Comment sauver le système traditionnel haïtien tout en donnant l'impression au peuple haïtien qu'on lui accorde satisfaction? Le peuple haïtien, pour beaucoup d'entre eux, aimait Jean-Bertrand Aristide. Écoutez bien, la question s'est posée, qu'y a-t-il de mieux pour sauver le système que l'ancien premier ministre de Jean-Bertrand Aristide, à savoir René Préval? Lors des fameuses élections, n'est-ce pas, qui ont eu lieu, je pense, en 2006, avec Gérard Latortue, eh bien, René Préval n'avait pas le goût de revenir en politique. Il s'était retiré sur ses terres, à Marmelade, eh bien, il a repris ses pratiques d'agronome, etc. Eh bien, l'ambassade américaine a été le chercher pour lui dire, écoutez, les partisans de Jean-Bertrand Aristide sont dans la rue, et une seule façon de les contenter, de les satisfaire, ces partisans-là de Jean-Bertrand Aristide, c'est que, vous, M. René Préval, ancien Premier ministre de Jean-Bertrand Aristide, vous reveniez et alors les gens vont aller voter en masse pour vous, croyant qu'ils vont voter pour le retour de Jean-Bertrand Aristide. Il y a eu ce duel terrible entre Leslie Maniga, homme très compétent, mais homme vertical, parce qu'il souhaitait être un patriote qui aurait pu tenir tête à la communauté internationale, et malgré le fait qu'il y avait un deuxième tour entre René Préval et Leslie Maniga, la communauté internationale a fait comprendre à Gérard Latortue qu'on ne pouvait pas avoir de second tour parce que si on a un second tour, Leslie Maniga risque d'être élu. Et vous savez ce qu'a fait la communauté internationale? On a simulé un chaos dans un certain hôtel. Des gens sont allés manifester dans un certain hôtel pour dire qu'ils ne veulent pas de second tour. Et devinez ce qu'on a fait? Le conseil électoral provisoire a dit qu'il n'y aura pas de second tour. René Préval a été élu président dès le premier tour. Écoutez bien. Le peuple se dit, tiens, puisque c'est le premier ministre de Jean-Bertrand Aristide qui a été élu président, il va faire rentrer Jean-Bertrand Aristide.
c'était ne pas connaître la communauté internationale. René Préval n'a jamais été en mesure de délivrer un passeport à Jean-Bertrand Aristide jusqu'à ce que cela se gâte entre René Préval et la communauté internationale. Qu'est-ce qui va se passer? Après le tremblement de terre, René Préval demande à la communauté internationale s'il pouvait organiser des élections. La communauté internationale lui a dit oui. Et là, lui, il dit que, puisque moi j'ai toujours été un bon disciple de la communauté internationale, j'ai toujours été un président soumis aux quatre volontés de la communauté internationale, je vais pouvoir nommer mon propre successeur. René Préval voulait nommer Jules Célestin. Et il avait déjà écrit son scénario, même les résultats d'une élection qui n'avait pas encore eu lieu était déjà écrite. Moi, j'avais des contacts au sein de l'équipe de René Préval. Je savais déjà avec quel score Jules Célestin allait être élu. Mais la communauté internationale a dit à René Préval, depuis quand, mon ami, c'est vous qui devez choisir votre successeur? C'est nous qui vous avons placé là. Nous n'allons pas vous permettre de nommer Jules Célestin. Nous avons un autre candidat. Ça allait être Michel Martelly. Et lorsque René Préval a tenu tête, vous savez ce que la communauté internationale a dit à René Préval par la bouche de Mulet, n'est-ce pas? Mulet, c'est l'ancien représentant des Nations Unies. Mulet lui a dit, si vous refusez de nous obéir, il s'adresse à un président haïtien, il y a un avion qui vous attend sur le tarmac, prêt à vous exiler, comme on l'a fait pour Jean-Bertrand Aristide. Lorsque René Préval a vu la pression ajoutée à d'autres formes de pression qu'on a exercées sur sa femme, René Préval a accepté d'enlever Jude Célestin comme candidat élu. Il a placé donc Michel Martelly. Dans sa colère, qu'est-ce qu'il a fait? C'est alors qu'il a envoyé un passeport à Jean-Bertrand Aristide, seulement à la toute fin de son mandat, pour lui permettre de rentrer. C'était ça le type. Quand on veut sauver un système, on va donner l'impression qu'on revient avec une personne qui, elle, va garantir, si vous voulez, la satisfaction du peuple. Et là, on va faire un petit tour en Afrique. Vous vous souvenez de certains présidents qu'on appelait Laurent Désiré Kabila, pas vrai? Ça vous dit quelque chose, le président Kabila? Il fut assassiné au pouvoir. Dans des circonstances troubles, tout le monde sait que la communauté internationale, peut-être la France, est derrière cela. Pour sauver le système, qui avait-il de mieux que de refiler à la population le fils de Laurent Désiré Kabila à la personne de Joseph Kabila? Quand on veut sauver un système, on assassine celui qui pose problème, mais on refile le pouvoir à quelqu'un de ses proches. C'est pas grave. Et on fait des menaces à la personne en lui disant, si vous voulez rester au pouvoir, vous allez suivre le script qu'on vous a fait. Martine Moïse, de sa chambre d'hôpital, a dit, mon mari a été assassiné par des mercenaires, trois fois plutôt qu'une. C'est le script. Et elle va poursuivre la lutte. Et je vous ai dit, il se peut que dans son désir de faire tourner la page rapidement, la communauté internationale, qui a déjà réclamé des élections pour le mois de septembre, quel manque de respect pour les Haïtiens, il se peut que la communauté internationale nous présente une Martine Moïse comme candidate à la présidence, elle va poursuivre la lutte, et en nous la donnant comme candidate à la présidence, on va sauver le système. Donc Jovenel Moïse a été assassiné pour trois crimes de lèse-majesté. Voyons les crimes de lèse-majesté qui ont coûté la vie à Jovenel Moïse. Le premier crime de lèse-majesté, c'est le crime de lèse-majesté contre la doctrine Monroe. Nous sommes en géopolitique. Qu'est-ce que c'est que la doctrine Monroe? La doctrine de James Monroe, c'est un ancien président des États-Unis du 19e siècle qui a déclaré cette phrase, l'Amérique aux Américains. Ça veut dire tous les pays de l'Amérique, tous les pays de l'Amérique du Sud, tous les pays des Caraïbes sont considérés comme le backyard, l'arrière-cour des Américains. Et les Américains ne vont laisser personne d'autre avoir quelque influence que ce soit en Amérique. Voilà pourquoi, si vous connaissez votre histoire, les États-Unis d'Amérique ont occupé tous les pays de l'Amérique latine. Tous les pays de l'Amérique latine. Parfois, ils occupent certains pays deux fois plutôt qu'une. C'est le cas de la République dominicaine. Et lorsqu'une puissance européenne veut venir jouer dans la cour américaine, eh bien, les États-Unis disent à cette puissance européenne, c'est ma cour à moi. Ou alors, ils renversent ou ils assassinent tout simplement le chef d'État qui s'avise, n'est-ce pas, dans un pays des Amériques, de vouloir prendre langue avec une grande puissance européenne ou asiatique sans la permission des États-Unis d'Amérique. C'est dans ce sens-là que Cuba représente, si vous voulez, une pierre dans la chaussure des Américains. Là. Le deep state américain, n'est-ce pas, cet État parallèle, cette hiérarchie-là, la véritable hiérarchie américaine qui se maintient en dépit de l'alternance des partis politiques, le Deep State ne s'est jamais pardonné à lui-même d'avoir permis
une révolution communiste en Amérique. Et voilà pourquoi les États-Unis ont fait payer cher aux Cubains le fait qu'ils ont osé implanter un système communiste dans la cour arrière des États-Unis. Et le nombre de coups d'État ou de tentatives d'assassinat auxquelles, n'est-ce pas, Castro a échappé, eh bien, c'est effarant. Et là, les États-Unis ont compris la leçon. Aucun autre pays en Amérique ne pourra plus jamais se permettre de prendre langue avec une autre puissance que nous. Le crime de lèse-majesté que Jovenel a commis, les amis, écoutez-moi bien, remonte au 2 juin de cette année. Ça, c'est très important. Retenez cette date. Que s'est-il passé le 2 juin de cette année, le 2 juin 2021? Ça veut dire environ un mois avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, écoutez-moi bien les amis, vous devez bien comprendre ce que je vais vous dire là. Jovenel Moïse a osé recevoir les lettres de créance d'un ambassadeur de la Fédération russe accrédité en Haïti, répondant au nom de Sergueï Melik Bagdassarov. Ce que vous devez savoir, il y a eu un consulat russe en Haïti, mais avoir une ambassade accréditée à Port-au-Prince, cela ne pouvait pas se concevoir. Oh, Jovenel Moïse, dans son désir de tenir une promesse phare, à savoir doter le territoire haïtien d'électricité 24 heures sur 24, a tenté toutes sortes de démarches auprès de la Turquie. C'est ainsi donc qu'en 2020, il a signé 7 accords avec la Turquie pour essayer, n'est-ce pas, d'avoir des centrales électriques en Haïti qui allaient lui permettre de tenir tête devant la population haïtienne, parce que c'était sa promesse phare, fournir l'électricité 24 heures sur 24, 2 ans après son investiture, ce qu'il n'a jamais pu tenir. Et voyant arriver, n'est-ce pas, la fin de son mandat, il a tenté des accords avec la Turquie, il s'est rapproché de la Russie, et il a poussé l'audace jusqu'à recevoir des lettres de créance d'un ambassadeur russe en vue d'une ambassade accréditée à Port-au-Prince. Lorsque cela est arrivé, le mercredi 2 juin 2021, j'ai un frère africain, professeur en droit international et de géopolitique, qui m'a appelé. Il m'a dit, Jean-Fils, ton président vient de signer son arrêt de mort. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, Jean, les États-Unis l'ont assassiné Jovenel parce qu'il a osé accepter la lettre de créance d'un ambassadeur russe. C'est comme permettre à l'ennemi de toujours des États-Unis de venir jouer dans la cour arrière des États-Unis. Ils vont l'assassiner. J'avais eu des doutes, j'ai dit, mais écoutez, tu exagères, mon grand ami. Ton ami sénégalais, il dit, Jean, tu verras, les États-Unis d'Amérique vont l'assassiner. Lorsque Jovenel a été assassiné, mon ami m'a rappelé ce qu'il m'avait dit, effectivement, le mercredi 2 juin, ton président va être assassiné parce que les États-Unis d'Amérique ne vont jamais permettre ce qui s'est passé à Cuba, à savoir permettre aux Russes de venir jouer le grand joueur dans la cour américaine. Et Jovenel, 2 semaines plus tard, dans sa naïveté, il est allé participer en Turquie au forum de la diplomatie d'Antalya, qui portait là encore sur des questions énergétiques, parce qu'il voulait que la Turquie l'aide à implanter des centrales électriques. Et là, savez-vous quoi? Il a commis 2 erreurs. D'avoir des contacts secrets avec des héros placés de la Russie et de la Chine. Et mon ami m'a dit, Jean, je ne sais pas dans combien de temps, mais il sera assassiné. La mort de Jovenel Moïse s'explique d'abord par ce crime de lèse-majesté en matière de géopolitique. Il ne serait pas assassiné. Il y a autre chose qui s'est ajouté au cas Jovenel. C'est que Jovenel, comme je l'ai dit dans mon live de mercredi dernier, était devenu un boulet au pied des Américains. Après qu'on l'a soutenu tout ce temps-là, on ne pouvait pas se permettre, n'est-ce pas, de le menotter, de le mettre dans un avion et de le faire partir. Ça allait être laid. Il fallait envoyer un message radical, en finir avec lui, parce que ce n'était plus l'homme de la situation. Et pire, comment a-t-il osé accréditer un ambassadeur chez nous? Parce que les États-Unis, c'est comme ça qu'ils voient Haïti. Comment a-t-il osé accréditer l'ambassadeur de notre ennemi chez nous? Il était dès lors question de temps. Jovenel allait mourir. J'ai parlé, vous savez, à l'un des staffs
des communications de Jovenel Moïse, pas plus tard que vendredi soir. C'est un ami, on s'est parlé, il m'a dit genre, mon boss, parce que c'était son boss, était peut-être animé de bonne foi, mais il était naïf vis-à-vis de la communauté internationale et surtout vis-à-vis des familles riches. Donc, notons le premier cercle. Il faut comprendre ces trois cercles-là. Jovenel est mort parce qu'il a commis un premier crime de lèse-majesté. Il a péché contre la doctrine Monroe. L'Amérique aux Américains. Deuxième crime de lèse-majesté de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a eu le défaut d'avoir accepté que sa campagne fût financée par les oligarques d'Haïti. Tout le monde sait qu'à un moment donné, Jovenel avait peut-être même plus de moyens en tant que candidat que le président d'Haïti d'alors, Joslère Meprivert. En 2016, il y a eu un ouragan en Haïti qui a rasé à peu près le grand sud d'Haïti. Et l'État haïtien de Joslère Meprivert n'avait pas les moyens de secourir les habitants du grand sud. Jovenel Moïse arrivait là avec de grands moyens, il donnait à manger aux gens parce que la campagne de Jovenel Moïse était financée par les oligarques d'Haïti. Pensons au Boulos, par exemple, qui quelques temps après va être frustré et qui va devenir son ennemi. Pensons, n'est-ce pas, au APED. Toutes les grandes familles d'Haïti ont financé la campagne de Jovenel Moïse parce que Jovenel Moïse, c'est le poulain de Martelly qui lui-même a été financé par les oligarques d'Haïti. Et je vous expliquerai pourquoi Michel Martelly a choisi Jovenel Moïse. Hein? Il y a une lecture mystique aussi à faire, une lecture akashique à faire de la mort de Jovenel Moïse. Restez là, ça va être chaud aujourd'hui, on va se dire les vraies affaires. Eh bien, je disais que Jovenel Moïse a eu le défaut de signer ce pacte avec le diable. En acceptant que sa campagne soit financée par les oligarques, il avait deux choix. Soit de tout donner aux oligarques, et c'est des gens gourmands. Enough is never enough for them. Les oligarques d'Haïti, là, oh là là. Enough is never enough for them. Le cartel juif d'Haïti, le cartel arabe d'Haïti, ces deux cartels qui sont arrivés chez nous vers le 19e siècle, parce qu'ils avaient des problèmes chez eux. Les familles libanaises, les familles juives sont arrivées chez nous, n'est-ce pas, vers la fin du 19e siècle, dans les années 1882, 83, etc. Parce qu'il y avait des guerres religieuses chez eux. Haïti leur a ouvert ses frontières. Ils sont arrivés avec leur boîte dans le dos. Ils étaient pauvres. Et rapidement, ils ont commencé à s'enrichir. Ils ont eu des monopoles au début. Ils négociaient certaines faveurs avec les divers gouvernements haïtiens. Sous Duvalier, eh bien, les oligarques, pensons aux Libanais, pensons aux Syriens, pensons aux Juifs, pensons à des familles comme la famille Bidjo. Par exemple, les APED, les Boulos, ils ont bénéficié de beaucoup de faveurs sous Duvalier. Mais c'était des faveurs. Ils finançaient certains projets de Duvalier et en retour, Duvalier leur accordait des monopoles, des faveurs. Mais, écoutez bien, depuis le renversement de la montagne ici dans 2004, les oligarques ont changé la règle du jeu. Désormais, ils ne négocient pas des faveurs avec l'État haïtien. Ils veulent tout. J'ai cité dans mon livre « Haïti, miroir d'une société en décomposition », l'économiste Fritz Jean, qui fut gouverneur de la Banque centrale d'Haïti, il a dit, mon ami l'économiste Fritz Jean, que à partir de 2004, les oligarques ont changé la règle du jeu. Désormais, ce ne sont pas des faveurs qu'ils veulent. C'est eux qui doivent faire faveur aux politiciens. Leur tactique, c'est quoi? Financer entièrement les campagnes des politiciens qu'ils choisissent, et en retour, c'est eux qui placent leur premier ministre, c'est eux qui placent leur ministre, écoutez bien, c'est eux qui placent leurs hommes dans les douanes haïtiennes. C'est ainsi, par exemple, que certaines familles comme les Dib, certaines familles comme les Boulos, certaines familles comme les Bidjo, eh bien, pour leurs importations, ne payaient à peu près rien pour les taxes, ils avaient leur propre port. La dernière fois que j'ai été en Haïti, il y a bientôt 5 ans, j'ai assisté à une scène. Personnellement, je vais vous dire ce que j'ai vu et entendu. J'étais dans un hôtel à Pétionville, appartenant à l'un de ces oligarques. Je dînais avec deux amis que cet oligarque connaît. Et on me l'a présenté, Jean-Fils Aimé vient du Canada. Et rapidement, cet oligarque s'est senti à l'aise. Il s'est ouvert la trappe. Écoutez bien ce qui va se passer.
Il est là et nous étions alors dans une période de flottement. On était dans une période où un premier ministre venait de tomber et on allait procéder au choix d'un nouveau premier ministre. Et là, il y avait des flottements. Est-ce que le Parlement allait voter pour ce premier ministre et qui allait former son gouvernement? Et cet oligarque-là, un propriétaire d'hôtel, je n'en dirai pas plus, se vantait. Il ouvrait son chéquier pour nous montrer que tous les sénateurs d'Haïti se retrouvaient sur sa feuille de paye. Il leur donnait à chacun d'entre eux un chèque par mois en américain. En retour, c'est lui qui leur disait ce qu'il voulait comme loi. C'est lui qui leur disait ce qu'il voulait comme politique publique. Et plus encore, il était là. Il dit, le premier ministre, c'est moi qui vais le choisir. Il a envoyé, dit-il, un sac de 3 millions de dollars au président d'alors. Et au haut de ce sac, il y avait une enveloppe blanche dans laquelle il y avait le nom du premier ministre. Attendez, je vis au Canada, c'était du jamais vu. Lorsque j'ai laissé Haïti, j'étais encore très jeune. Et le président d'alors a reçu le sac d'argent, il a ouvert l'enveloppe, il a vu le nom que ce monsieur-là voulait. Et il a dit que sa volonté allait être respectée. Bon, je suis resté en Haïti une semaine, je suis rentré et j'étais curieux de savoir, est-ce que c'est vraiment ce monsieur-là qui allait être premier ministre? Eh bien, je vous le donne en mille, c'était effectivement ce monsieur-là qui fut premier ministre. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est que les oligarques en Haïti dirigent tout. Ils dirigent les douanes, ils dirigent la fonction publique, ils dirigent le Parlement. Vous savez ce que Fritz Jean nous rapporte dans son livre là? Ce que je cite dans mon livre « Haïti, miroir d'une société en décomposition », il a dit parfois, les oligarques convoquent des sénateurs ou des députés dans une chambre d'hôtel leur appartenant. Ils confisquent leur téléphone pour s'assurer qu'ils ne puissent communiquer avec les gens. Parfois, ils les enferment là pendant 2 jours jusqu'à ce qu'ils obtiennent la garantie que ces sénateurs allaient voter effectivement pour tel ministre, qu'ils allaient voter pour tel premier ministre, pour tel gouvernement. Et là, ils disent, écoutez, à date, nous sommes parvenus à 40% du vote, il nous en manque 12%. Et quand ils ont la garantie que le vote allait être en leur faveur, ils relâchent ces messieurs-là. Et les parlementaires eux-mêmes, non, ne se sont jamais cachés de ces pratiques. Ils disaient au micro, écoutez, nous avons reçu de l'argent. Nous avons reçu de l'argent de tel oligarque. Nous avons reçu de l'argent de telle famille riche. Et en contrepartie, ce sont ces oligarques-là qui dirigent Haïti. Maintenant, comprenons le crime de lèse-majesté de Jovenel Moïse. Celui à qui Jovenel Moïse a succédé et qui a été le chercher pour le prendre sous son manteau, Michel Martelly, a toujours tout donné aux oligarques. Tout donné. Michel Martelly accordait des contrats de millions de dollars par mois à des oligarques, écoutez bien, pour fournir l'électricité qu'on n'a jamais eue. Il y a une chanson d'un groupe haïtien, là, c'est le groupe Zinglin qui dit dans tout autre pays du monde, la population paye pour avoir de l'électricité, mais en Haïti, on paye pour avoir du blackout. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des familles en Haïti. Il y a des familles en Haïti qui sont payées par le gouvernement des millions de dollars pour fournir de l'électricité qui n'est jamais fournie. Et Michel Martelly, il s'en foutait. Michel Martelly, il savait qu'il était placé là par les États-Unis. En fait, Michel Martelly est citoyen américain. C'est un citoyen américain. Tous les Haïtiens le savent. Michel Martelly, c'était un musicien avant de faire la politique. Et quand il entrait notamment au Canada, c'est avec son passeport américain qu'il entrait. Ne sachant pas qu'il allait faire de la politique, quand il retournait, n'est-ce pas, au pays, à Port-au-Prince, eh bien, c'est aussi son passeport américain qu'il montrait. Tout le monde savait ça. Mais puisqu'il était, donc, il n'était pas éligible au vœu de la constitution haïtienne. Et lorsque Moïse Jean-Charles a lancé la bataille pour le destituer pour usurpation de titre, devinez qui est allé le défendre. L'ambassadeur américain d'alors qui a donné une conférence de presse pour dire « Nous savons qu'il n'est pas américain. » Et le fait, c'est que Moïse Jean-Charles avait même donné le numéro de passeport de Michel Martelly. Il avait les bonnes informations. Mais l'ambassadeur américain d'alors a dit « Écoutez, non, il n'est pas citoyen américain. » Et puisque Michel Martelly savait qu'il était placé là par les Américains, il s'est toujours fermé la trappe. Tout ce que les Américains voulaient, il le leur donnait. Puisqu'il savait que sa campagne était financée par les oligarques, il a tout donné aux oligarques. Et là, il a fait son mandat. Pour faire son mandat en Haïti, il faut obéir servilement aux États-Unis d'Amérique et aux oligarques. Ça, c'est clair. Ces deux forces-là marchent ensemble. Tout
elles ont toujours marché ensemble. Les États-Unis, pour faire ces sales coups en Haïti, pour maintenir le système d'apartheid en Haïti, parce que c'est un système d'apartheid. Vous savez qu'à Pétionville, par exemple, dans un pays où 95% de la population est aussi foncée que moi, il n'y a que 5% de mulâtres. D'ailleurs, le 5% n'a jamais changé. Ce qui prouve que ces gens-là se marient entre eux. Vous savez qu'il y a des mariages à Pétionville auxquels moi, à cause de la couleur de ma peau, je ne peux pas assister. Parce que je suis nègre. Je suis nègre pour eux. Ils ont le teint clair. Ces gens-là sont arrivés chez nous à la fin du 19e siècle. Ils ont destitué leur propre communauté. Ils se marient entre eux. Au début, ils négociaient des faveurs avec les politiciens pour avoir en retour des faveurs douanières, pour avoir en retour des monopoles. C'est ce qu'ils ont eu par exemple sur le Valier. Mais à partir de 2004, ils ont dit « nous voulons tout ». Et Michel Martelly a compris ça. Michel Martelly leur a tout donné. Jovenel Moïse, disais-je, a eu le défaut d'avoir été financé par ces gens-là. Dans le créole haïtien, on dit « quand tu manges l'argent du diable, tu dois payer le diable ». Si tu manges l'argent Chango, tu dois payer Chango. Si tu manges l'argent Chango, Chango va te le réclamer. Et donc, Jovenel Moïse s'est imaginé qu'il allait entrer au pouvoir en se faisant financer par les oligarques pour pouvoir les corriger par la suite. Écoutez bien, là. Jovenel Moïse est un fils du peuple. Jovenel Moïse est de la paysannerie haïtienne, tout comme mon père, il vient du Tour du Nord, tout comme mon père. Il s'est imaginé que, ok, Michel Martelly m'offre l'occasion de devenir président, et je vais vous expliquer dans le troisième crime de lèse-majesté pourquoi Michel Martelly a été cherché. Et il se dit, ok, je vais accepter le pouvoir. Et moi, comme fils du peuple, je vais changer les choses de l'intérieur. Il était naïf. On ne change pas les oligarques. On les fout en prison. On ne change pas les oligarques, on les poursuit, on les condamne et on les neutralise. Sauf que pour faire ça, tu dois avoir les mains libres. Pour faire ça, tu dois avoir la population derrière toi. Au début de son mandat, on a dit, ok, Jovenel Moïse est élu, on va le laisser faire. Et vous savez quoi? À bien des égards, Jovenel Moïse était sincère. Moi, j'ai rencontré Jovenel Moïse. Je vais vous dire en quelles circonstances. Jovenel Moïse fut invité par le Canada lors d'un G7. Je pense que c'était en 2017-2018. Il est venu arriver au Canada. L'ambassadeur d'Haïti d'alors, l'ambassadeur Lyoto, m'a appelé et m'a dit « Docteur Jean-Fils Aimé, je vais vous demander une faveur. Le président Jovenel Moïse sera de passage dans la communauté haïtienne. Je veux que vous soyez le maître de cérémonie. » J'ai dit « Monsieur l'ambassadeur, son excellence, vous connaissez vos convictions, je suis anti-PHTK. » Il dit « Monsieur Fils Aimé, je sais, je vous entends à la radio, vous êtes anti-PHTK. » Mais là, il ne s'agit pas de Jovenel Moïse, il s'agit d'Haïti. On veut quelqu'un. Je répète ce que l'ambassadeur Lyoto disait alors. On veut quelqu'un qui a du métier, qui puisse faire ça avec professionnalisme. J'ai dit à l'ambassadeur, voici sous quelles conditions. Je vais écrire mon discours moi-même et je n'accepterai pas qu'on le corrige. Et j'ai dit, je vais l'appeler Monsieur le Président, mais je ne l'appellerai jamais Son Excellence, car pour moi, il n'y a pas d'excellence là. Je vais m'adresser à sa femme en sa qualité de première dame respectueusement, mais pas plus que ça. Il a dit pas de problème. Donc, j'ai fait mon discours. Mon discours a été analysé par la chancellerie haïtienne et il m'a été retourné tel quel. Et donc, j'ai présidé à la cérémonie qui a reçu Jovenel Moïse à Montréal. Je l'entendais discourir. J'ai pris le temps de l'analyser, on a passé un certain temps ensemble. Et je me rappelle avoir dit à deux confrères de la radio, qui font de la radio dans la même institution que moi, Maître Jean-Ernest Pierre, qui est le directeur de CPAM, mon collègue, le directeur de la salle d'information Pierre-Emmanuel, puisque moi je suis le directeur de la programmation de la radio, je leur ai dit, vous savez, je pense qu'il est sincère cet homme. Il veut aider, mais il a fait un pacte avec le diable. Il ne pourra pas faire ce qu'il voulait faire. Il avait pris un exemple pour vous aider à comprendre le pouvoir des oligarques. Il a dit, dans son discours public, hein, lorsque je suis arrivé au pouvoir, pour faire un tronçon de route de telle longueur, l'État haïtien payait, écoutez bien, à la famille Vorbe, puisqu'il l'avait nommé, $1 million par tant mètres. Je ne me rappelle plus la distance. Et lorsqu'il a cherché à savoir pourquoi ça coûte tant aussi cher, on n'a pas pu lui donner des explications. Alors lui, Jovenel Moïse, dans sa naïveté et sa bonne volonté d'alors, il a dit, ok, désormais, l'État haïtien lui-même va faire cette tronçon de route. Il a chargé au CNE de faire les routes. Et il a annoncé à la population haïtienne qui était présente ce jour-là, sur chaque
tronçon de route. Désormais, l'État haïtien économise jusqu'à 70% de ce qu'il savait payer. On applaudissait. Et moi, je l'écoutais, j'ai dit, oh là là, les oligarques vont les payer. Et vous avez compris que l'un des hommes qui détestait le plus Jovenel Moïse, c'était un Vorbe, Dimitri Vorbe. Plus tard, l'un des hommes qui détestait le plus Jovenel Moïse, c'était Réginald Boulos. Parce que Jovenel Moïse, après avoir conclu le pacte avec le diable, ce qu'il n'aurait jamais dû accepter, a voulu rappeler ses origines de fils de paysan et tenter de changer les choses. Si bien que Jovenel Moïse a poursuivi deux ou trois familles de ces oligarques. Il a même menacé de dire leur nom et de revoir certains contrats lucratifs qu'ils ont toujours eus. Ce crime de lèse-majesté, quand tu le commets, les oligarques te font deux choses. Ils te renversent. Dans le cas de Jean-Bertrand Aristide, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont renversé trois fois plutôt qu'une, Jean-Bertrand Aristide. Une fois, avant même d'avoir été assermenté. Connaissez-vous un président qui a été renversé avant même d'avoir prêté serment? Premier coup d'état contre Jean-Bertrand Aristide, Roger Lafontaine. Deuxième coup d'état contre Jean-Bertrand Aristide, les oligarques, l'armée et les États-Unis de George Bush. Troisième coup d'état contre Jean-Bertrand Aristide, le groupe des 184, les Appel Junior, les oligarques donc, les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France. Ils sont venus chercher, piou, exil à la Jamaïque dans un premier temps et bingo, piou, en Afrique du Sud. Et pour contenter la population haïtienne, ils ont fait un deal avec René Préval, ils ont été le chercher pour donner à la population haïtienne l'impression que même si Jean-Bertrand Aristide est là, on a toujours un Laval à son pouvoir, c'est René Préval, l'ancien premier ministre. René Préval n'a jamais donné, il n'a jamais pu donner un passeport à Jean-Bertrand Aristide pour lui permettre de rentrer jusqu'à ce que cela se soit gâté entre l'international et lui. Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il a commis un deuxième crime de lèse-majesté, cette fois-ci contre les oligarques haïtiens. Quand tu touches aux oligarques haïtiens, c'est pas compliqué. Ils t'exilent ou ils t'assassinent. Et là, vous notez que ces oligarques-là ramènent quelque chose dans la culture haïtienne qui ne s'était jamais vu depuis 1915. Je rappelais que dans l'histoire d'Haïti, il y a eu quatre présidents qui ont été assassinés au pouvoir. Des gens, malheureusement, je dis malheureusement, ont mis le nom de Sylvain Salnave. En ma qualité d'historien, non, Sylvain Salnave ne fait pas partie de la liste. Sylvain Salnave n'a pas été assassiné. Il a été exécuté, il y a une différence. Et il n'était pas au pouvoir. Sylvain Salnave faisait face à une guerre civile. Il a pris la fuite vers la République dominicaine. Il a été arrêté en République dominicaine, livré aux autorités haïtiennes, ce qui prouve qu'il n'était plus au pouvoir. Il est passé devant une cour martiale, donc devant un tribunal militaire. Il a été jugé, reconnu coupable, puis condamné à mort. Donc, il n'a pas été assassiné au sens propre du terme et il n'est pas mort au pouvoir. Donc, je tenais à faire cette précision. Donc, revenons. Quand vous touchez aux oligarques, ce n'est pas compliqué, ils vous exilent depuis 1915 ou pour la première fois depuis 1915, même si c'est la quatrième fois qu'on assassine un président au pouvoir. Ils vous assassinent. Les oligarques ne veulent pas renoncer à leurs avantages. Et je vais vous dire, on assassine Jovenel précisément pour sauver ce système-là. On assassine Jovenel pour que les États-Unis gardent la mainmise en Haïti. On assassine Jovenel pour que les oligarques continuent d'avoir les mêmes avantages. Ils ne sont pas prêts à céder. C'est pour cela qu'il faut faire sauter le système. Et je vais vous proposer à la fin de l'émission comment le faire. L'erreur de Jovenel a été double. Un, il a accepté le pouvoir de la main de Satan. Quand tu acceptes le pouvoir de la main de Satan, ne sois pas suffisamment naïf pour changer Satan. Et deux, Jovenel n'avait plus aucune popularité, il n'avait plus aucune base. Quand tu n'as pas les moyens de tes ambitions, tu renonces à tes ambitions. Jovenel Moïse était isolé, il n'avait pas de base, il n'avait pas d'arrière, enfin, il n'avait pas de squelette politique pour faire ce qu'il voulait faire vers la fin de son mandat. Et là, on l'isole, on l'assassine, on envoie un signal d'avertissement à sa femme et on dit à sa femme, voici le script, tu vas dire exactement ce qu'on a dit, sinon on va s'attaquer à tes enfants et si tu fais ce qu'on te demande de faire, tu reviendras peut-être comme président. Martine Moïse sera peut-être candidat à la présidence. Si vous analysez son voice, c'est une annonce de candidature. Là. Pour moi qui suis analyste de politique publique, analyste de communication publique, allez écouter son voice qui a été authentifié par AFP.
elle fait trois annonces essentiellement. Je suis vivante, ça on savait. Si t'étais pas, si t'étais morte, t'aurais pas pu dire je suis vivante. Deux, mon mari a été assassiné par des mercenaires. Tu vois bien que c'est crypté. Elle l'a dit plus que trois fois. Et deux, on va continuer la lutte. Ce qui suppose qu'on va se servir d'elle pour maintenir le système. On va la faire passer comme une martyre, la veuve d'un martyr. Et puisque les États-Unis veulent des élections, peut-être que pour faire tourner la page, on va nous la proposer comme candidate. Mais ça, ça s'est déjà vu. On a donné Joseph Kabila en remplacement de Laurent Kabila qui a été assassiné. Il faut que je cite bien son nom. Laurent Désiré Kabila. On a donné René Préval au peuple haïtien après qu'on a déporté Jean-Bertrand Aristide. René Préval, c'était le premier ministre de Jean-Bertrand Aristide. C'est une façon de légitimer le coup pour dire au peuple, ne vous inquiétez pas trop, le roi est mort, vive le roi. Et nous savons, en Afrique, souvent, on assassine un président, sa femme est au courant, parfois on l'empoisonne, et on dit à sa femme, je sais que vous êtes triste, c'est pas grave, on va vous permettre de jouir de vos biens avec vos enfants si vous suivez le script. Le message de Martine était scripté, et moi je l'avais prévu dans mon analyse que j'ai faite sur une station radio de Port-au-Prince vendredi matin, Radio Zénith, j'ai dit, Martine Moïse va être scriptée. Bon. Troisième crime de lèse-majesté de Moïse Jean-Charles. Eh bien, le troisième crime de lèse-majesté de Maurice Jean-Charles, c'est vis-à-vis de Michel Martin. Les amis, ne sous-estimons jamais quelqu'un qui est en mode de survie. Michel Martin sait qu'il est un voleur. Les membres du PHTK, ce sont des voleurs, ce sont des kleptomanes, des kleptocrates, des transnationaux qui ont siphonné les mains grosses aux haïtiennes. Michel Martin, il s'en fout. Tout ce qu'il veut faire, c'est de l'argent pour qu'il ne redevienne plus jamais désargenté. Parce que c'était un petit bourgeois de Pétionville désargenté. Michel Martelly était en faillite, les amis. Lorsque Michel Martelly s'est porté candidat aux élections de 2010, il était en faillite. On saisissait ses maisons à Miami, les amis. C'est public, ça. Les bals de Michel Martelly n'étaient plus fréquentés. Le dernier bal que Michel Martelly a présenté en sa qualité d'artiste avant d'être porté candidat à la présidence haïtienne, c'était à Montréal. Ce bal-là était organisé par des amis à moi. Il n'y avait pas plus que 50 personnes dans le bal de Michel Martelly. Il était en faillite. Et Laurent Lamothe est allé chercher Michel Martelly pour lui dire, moi j'ai de l'argent, je vais financer votre campagne, je vais vous présenter aux oligarques de Port-au-Prince. Laurent Lamothe, c'est celui qui a servi de manteau pour rendre Michel Martelly fréquentable. L'expression, je la tiens de l'ambassadeur Daniel Suplice, qui fut quelque temps ministre sous Michel Martelly, puis ambassadeur, je pense, en Belgique. Il a déjà dit du président Martelly, lorsque vous n'étiez pas fréquentable, je vous ai fréquenté et je vous ai présenté à des gens fréquentables. Écoutez-moi bien, les amis. Michel Martelly est donc devenu président parce que Laurent Lamothe l'a financé. Laurent Lamothe a été chercher les grandes firmes de marketing et de communication politique pour faire de Michel Martelly le président, et l'homme avait les moyens. Le deep state américain, sachant toutes les vulnérabilités de Michel Martelly, a dit c'est notre homme. Bill et Hillary Clinton ont mis leur trip sur le plateau pour faire de Michel Martelly le président d'Haïti. Ils sont allés jusqu'à menacer d'exil René Préval, qui dans un premier temps hésitait. Et là, vous connaissez le reste de l'histoire, Michel Martelly est devenu président d'Haïti. Il y a passé 5 ans. 5 ans de dilapidation. 5 ans de détournement de fonds. 5 ans de brigandage. Jamais d'élection. 5 ans où il insultait le peuple haïtien. Où il insultait les femmes, les journalistes, aucun respect pour les gens. Un salaud reste un salaud. Hein. Michel Martelly, c'est un salaud de la pire espèce. C'est du déchet humain, ce mec. Mais les Américains l'aiment. Ils disent, he's a son of the beach, but he's our son of the beach. Michel Martelly, c'était l'homme des oligarques. C'est un pétionvillois. Il a toujours agi dans le sens des oligarques, sauf que l'objectif de tout politicien, c'est de se perpétuer au pouvoir. La constitution haïtienne interdit à un président de se succéder à lui-même sans un battement de 5 ans. Alors là, tout le monde pensait que Michel Martelly allait chercher Laurent Lamothe. Pas du tout.
il va faire exactement ce que Pétion avait fait vis-à-vis des Salis. Et vers la fin, je vais vous proposer une lecture mystique, restez jusqu'à la fin, une lecture akashique de la mort ou de l'assassinat de Jovenel Moïse. Je vous disais que Michel Martelly, pour se perpétuer au pouvoir, va faire ce que les oligarques en Haïti ont toujours fait, depuis Soulouk. Ils ont dit, puisque notre couleur nous empêche d'être perçus comme des amis du peuple, nos pratiques aussi, il nous faut aller chercher quelqu'un qui vient de la paysannerie et on va faire de lui un président croupion, un président de doublure. Donc Michel Martelly est allé chercher un homme qui faisait déjà du blanchiment d'argent pour les oligarques. Là. Attention, je condamne l'assassinat de Jovenel Moïse, Moïse Jean-Charles, c'est un fils du peuple, c'est l'un des nôtres, c'est un frère, mais c'est pas un saint, hein. Attention, il ne faut pas confondre les choses là. Vous savez, on a cette habitude comme vivant, dès que quelqu'un meurt, il devient un saint. Jovenel Moïse n'est pas un saint. Jovenel Moïse faisait du blanchiment d'argent, Jovenel Moïse était aussi corrompu. Pas aussi, pas au même degré, mais c'est aussi un corrompu. Là. Des jugements de cour, la Cour supérieure des comptes, qui a juridiction pour enquêter sur les crimes économiques, a épinglé plusieurs fois, autant Michel Martelly, Laurent Lamothe et Jovenel Moïse et sa femme aussi. Donc ce ne sont pas des saints, les amis. Michel Martelly est allé chercher Jovenel Moïse parce qu'il a la même couleur que la masse. Ensuite, c'est un paysan, fils de paysan, c'est un agriculteur. Pour quelle raison? Pour donner au PHTK, le parti de Michel Martelly, l'allure d'un parti populiste, d'un parti de masse. Mais quand quelqu'un est allé chercher pour faire de droit un président, Jovenel Moïse n'aurait jamais pu même rêver d'être président d'Haïti, il faut le reconnaître, à cause du système d'exclusion, à cause du système d'apartheid mis en place par les oligarques et la classe traditionnelle politique haïtienne. Vous vous souvenez, dans mon livre, j'ai dit qu'Haïti a été construit sur un triple hold-up. C'est un livre à lire. Si vous voulez comprendre Haïti, je le dis sans chauvinisme, sans retardisme, il faut lire ce livre-là qui a bien des égards et prophétique. Les oligarques ont construit Haïti sur un triple hold-up, un hold-up du pouvoir. C'est jamais le peuple qui a le pouvoir en Haïti. La seule fois où il y a eu des élections libres et démocratiques en Haïti, c'était en 90. Le premier Aristide. Toutes les autres fois, c'est des passations de pouvoir, c'est des élections truquées, orchestrées par les États-Unis d'Amérique, puis par le Canada. Parce que désormais, c'est le Canada qui gère le centre de tabulation qui promulgue les résultats, les amis. Donc, Michel Martelly est allé chercher Jovenel Moïse pour donner une apparence de populisme à son pouvoir. Jovenel a accepté. Mais c'est Michel Martelly qui gérait, les amis, Jovenel Moïse. Je vous disais que vendredi soir dernier, j'étais au téléphone avec l'un des staffs, l'un des amis les plus proches de Jovenel Moïse. Il me disait, Jean, Michel Martelly a timonisé Jovenel. Timonisé, lorsqu'un haïtien te dit quelqu'un te timonise, ça veut dire que quelqu'un te vassalise. Quelqu'un te traite comme si tu étais un timon. Michel Martelly convoquait Jovenel Moïse, le président de la République, en sa résidence privée pour lui passer des ordres. Même la garde rapprochée de Jovenel Moïse est imposée par Michel Martelly. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été assassiné. Je vais vous expliquer cela. C'est pour cela que son assassinat a été si facile. Ok, les amis. Quand Jovenel Moïse devait choisir un premier ministre, c'est Michel Martelly qui recevait l'argent que donnaient les oligarques. Et Michel Martelly disait à Jovenel, voici qui je veux comme premier ministre. Voici qui je veux comme ministre. Et parfois, Michel Martelly négociait un peu avec Jovenel Moïse, mais les ministères régaliens, ministère des Finances, ministère de l'Intérieur et des Collectivités, ministère des Affaires étrangères, c'est Michel Martelly qui nommait ces gens. Dans les douanes, c'est la femme de Michel Martelly. Ah oui, ils sont tous impliqués. C'est la femme de Michel Martelly, Sophia Martelly, qui plaçait ces gens dans les douanes. Et ces gens-là lui apportaient de l'argent. C'est un système de corruption jusqu'à l'os, les amis. Là. Moi, je vous dis les vraies affaires. Vous pouvez vérifier mes informations. À un moment donné, Jovenel Moïse a voulu faire de lui un chef. Il se rappelle ses racines paysannes. Il se rappelle ses racines du peuple. Et là, il a commencé à se secouer. Oh, il y a eu des conflits larvés. Pendant environ 2 ans, entre Jovenel Moïse et Michel Martelly. Et le troisième crime de lèse-majesté que Jovenel Moïse va commettre, qui va entraîner sa mort, c'est que Jovenel Moïse s'est rapproché du frère ennemi de Michel Martelly, Laurent Lamothe. Ils se seraient rencontrés lors de ce sommet en Turquie. Laurent Lamothe, désormais, avait financé les projets de
Jovenel Moïse. Et en contrepartie, Jovenel Moïse allait lui donner des charges. La Constitution fait obligation à tout candidat qui a déjà géré des fonds publics. Donc, Laurent Lamothe était doublement un haut commis de l'État. Il était ministre des Affaires étrangères dans un premier temps. Ensuite, il est devenu ministre de la planification. C'est beaucoup d'argent, ça. Enfin, il est devenu premier ministre. Donc, c'est un homme corrompu aussi jusqu'aux os, là. Il n'y a pas de gars de PHTK qui ne soit pas corrompu. C'est des kleptomanes, des kleptocrates, des voleurs. Et là, Jovenel Moïse va signer un troisième pacte avec le diable en acceptant de se rapprocher de Laurent Lamothe, le frère ennemi de Michel Martelly. Selon mes sources, vous savez, un homme des médias ne révèle jamais ses sources. Selon mes sources, la mort de Jovenel Moïse est planifiée depuis au moins le mois de janvier. Au sein du PHTK, on planifiait la mort de Jovenel Moïse depuis le mois de janvier. Les soi-disant mercenaires, je vais vous faire comprendre le concept, la mercenaire, sont arrivés en Haïti depuis le mois de janvier. Ils étudiaient les allées et venues de Jovenel, ils infiltraient sa garde rapprochée, c'est des gens qui travaillaient pour Martelly. Et ils n'attendaient que le go pour passer à l'acte. Ce qui va provoquer le go, Jovenel Moïse a commis au cours des derniers jours deux grandes erreurs. Il a donné des charges donc à Michel à Laurent Lamothe, le rendant éligible aux prochaines élections qui étaient prévues pour le mois de septembre. Donc Michel Martelly allait avoir Laurent Lamothe en face de lui et il craint Laurent Lamothe parce que toute l'équipe de marketing dont profitait Michel Martelly, c'est en fait l'équipe de Laurent Lamothe. Donc Michel Martelly allait se retrouver sans logistique de marketing, sans logistique de communication politique, donc il allait perdre. Et en plus, Jovenel Moïse a nommé un nouveau premier ministre, rappelant son ministre par intérim là, et le jour même où son nouveau premier ministre allait entrer en fonction, il a été assassiné la nuit précédente. Retenez bien ma théorie. Jovenel Moïse est assassiné parce qu'il était devenu la mire de trois tirs croisés. Jovenel Moïse est assassiné par trois tirs croisés. Tir des services secrets américains pour le crime de lèse-majesté contre la doctrine Monroe. Tir des oligarques haïtiens parce que Jovenel a voulu leur enlever certains avantages. Il les poursuit, quelques-uns d'entre eux. Il poursuit Boulos, il poursuit Vorbe. Et troisième tir croisé, Jovenel Moïse a donné la bénédiction électorale au frère ennemi de Michel Martelly, Laurent Lamothe. Je vous fais comprendre un petit truc en communication politique. Depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, Michel Martelly a seulement sorti un tweet. Par contre, son frère ennemi, Laurent Lamothe, est sur toutes les tribunes internationales réclamant une enquête indépendante. Et analysez ses discours. Il a dit, il faut savoir, il faut trouver qui a commandité, quels sont les auteurs intellectuels du meurtre de Jovenel Moïse. Quand le grand perdant là, de l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est Laurent Lamothe. Parce qu'il a mis de l'argent, il a investi de l'argent, il avait un pacte avec Jovenel Moïse et Michel Martelly et les oligarques et les États-Unis l'ont pris de court. Voilà pourquoi il était sur tous les fronts. Il était sur RBI au Canada, il était sur CNN aux États-Unis, on me dit qu'il était sur France 24. Il faut une enquête indépendante. Depuis quand? Pourquoi Laurent Lamothe n'avait pas demandé une enquête indépendante pour le procès Petro-Caribé? Il a détourné de l'argent et il avait pour nous de construire 25 stades. Vous savez quand est-ce que Laurent Lamothe a construit ses 25 stades? Je serai sarcastique ce matin, au moment où depuis je vous parle là. Depuis que je fais mon live, il est en train de construire ses 25 stades. C'est un voleur aussi. Et Michel Martelly et Laurent Lamothe se retrouvent dans un mode de survie politique. S'ils ne se perpétuent pas au pouvoir, directement ou indirectement, ils risquent d'y avoir le procès Petro-Caribé. Et s'il y a procès Petro-Caribé, les premiers condamnés vont être Michel Martelly et Laurent Lamothe. Ils ne veulent pas de cela. Et vous notez que Jovenel Moïse ne voulait rien savoir du procès Petro-Caribé non plus. Jovenel Moïse n'est pas un saint. Attention les amis, je condamne son assassinat, mais ce n'était pas un saint Jovenel Moïse. Je pense qu'il a eu des instincts, ou mieux des instants de sincérité patriotique, parce que c'est un fils du peuple comme moi. Mais ses pactes avec le diable étaient trop titanesques pour qu'il puisse laisser libre cours à son vent de patriotisme.
Donc le grand perdant de l'assassinat de Jovenel, c'est Laurent Lamothe. Il est sur tous les fronts réclamant une enquête publique. Mais pauvre petit Laurent Lamothe, pourquoi n'avais-tu pas réclamé une enquête publique pour qu'on sache ce qui s'est passé avec les 4 milliards de Petro-Caribé? Tu peux pas avoir une enquête indépendante, menti Laurent Lamothe, quand ça fait ton affaire, mon petit. Là, tu es sur tous les fronts pour réclamer enquête publique, enquête indépendante pour savoir qui sont ceux qui ont financé. Il a dit, mais ce qui s'est passé là, c'est une affaire de plusieurs millions. Ok. Pourquoi toi, tu n'avais pas réclamé la même enquête indépendante pour le procès Petro-Caribé? Comme ça, on saurait par où est passé, par où sont passés les 4 milliards de dollars, petit Laurent Lamothe. Non, là, il est le grand perdant. Et quand quelqu'un est dans un mode de survie politique, il peut manger son propre fils. C'est ce qui s'est passé avec Michel Martelly. Il a bouffé son propre dauphin politique parce que ce dernier a commis vis-à-vis de lui un crime de lèse-majesté. Les amis n'allons pas chercher ailleurs. Jovenel Moïse était le point de jonction. Il se trouvait au point de jonction de trois forces réactionnaires en Haïti. Les États-Unis d'Amérique, qui en voulaient à Jovenel parce qu'il a accepté les lettres de créance d'un ambassadeur russe. Les oligarques, parce que Jovenel Moïse a voulu leur enlever quelques avantages. Ces gens-là, c'est everything or nothing. Moi, je les appelle les oligarques d'Haïti, les oligarques du all you can eat. Vous savez, quand vous entrez dans un buffet, personne ne vous contrôle, vous mangez autant que vous voulez. Les oligarques là, c'est all you can eat. Never. Alors, enough is never enough. Et troisième cercle, c'est la classe traditionnelle. C'est la classe politique traditionnelle ici représentée par le PHTK de Michel Martelly. Ne cherchons pas ailleurs. Maintenant, regardons le scénario. On va bientôt terminer. Les amis, on va rire un peu. Je sais que la situation est tragique, mais vous savez, Spinoza disait, certaines fois, il ne faut ni pleurer, ni rire, mais comprendre. Regardons une situation. Des gens, et là, je ne dirai plus des mercenaires, je ne dirai plus des étrangers, c'est de la foutaise que tout cela, ok? Même Martin se fout de notre gueule en disant des mercenaires. Ça, c'est scripté, ce qu'on lui demande de dire. Des gens sont entrés dans le quartier du président, je ne parle même pas encore de sa maison, et ont commencé à tirer des rafales. Des rafales depuis 10h30. De gros calibre, les amis. Depuis 10h30, les gens tiraient dans tout le quartier de Jovenel Moïse. La police haïtienne ne s'est jamais présentée. Moi, j'ai une amie, je vous ai dit, qui habite à 5 minutes de marche de chez le président. Les amis qui habitent dans ce quartier-là du président, ils ont un groupe WhatsApp pour les voisins, pour s'informer quand ça va mal. Et puis, ils s'informaient sur WhatsApp. Mon Dieu, est-ce que vous entendez les rafales? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils ne savaient pas depuis 10h30. Vers minuit et demi, on rentre dans la résidence du président. Je vais vous dire, j'ai un ami personnel du président Jovenel Moïse qui faisait partie de son staff de communication, à qui j'ai parlé vendredi. Il me dit, Jean, lorsque tu entres chez le président, dans la cour même du président, il y a une trentaine, sinon une quarantaine d'hommes, tu passes par plusieurs postes de contrôle, ce qui est normal, on te fouille. Ils se parlent en interphone, ils vérifient que telle personne, c'est bien la personne, sa pièce d'identité, et on informe le bureau du président avant que tu puisses entrer chez le président. Et depuis la troisième vague, la soi-disant éclosion du coronavirus en Haïti, le président Jovenel Moïse n'allait plus au palais. Donc, il recevait les gens chez lui. Donc, la sécurité chez lui était renforcée. Suivez mon regard. Si bien que même ce monsieur-là, qui fait partie de son staff de communication, quand il venait pour rencontrer le président pour faire son travail, il passait par plusieurs postes de contrôle, de screening. C'est tout à fait normal. Maintenant, les amis, des gens ont commencé à tirer des rafales pendant 2 heures d'affilée. Ils sont entrés dans la cour du président. Vous avez entendu ce voice. Quelqu'un prend un mégaphone. Mais combien il y a lapsus dernièrement et quelqu'un m'a rappelé. On dit un mégaphone et non une mégaphone. Merci, frère. Pour dire à la garde rapprochée du président, 30 à 40 hommes, ne tirez pas. Nous sommes une opération de la DIA. Si vous déposez les armes dans 8, 7, 6, 5, vous avez entendu, personne ne vous fera du mal.
la garde rapprochée du président baisse les armes pour laisser entrer d'autres personnes. Et il n'était même pas au courant de l'opération, les amis. Voyons donc. Ces tueurs-là, ces assassins, je ne les appelle plus des mercenaires, ils entrent chez le président. Ils ont troué le président de 12 ou 13 balles dans le front, parce qu'on a lu le procès-verbal dressé par le juge de paix. Une balle dans le front, une balle sur chacun de ses seins, plusieurs balles à la hanche. On lui a crevé un œil. On lui a cassé le bras. Les amis, ce n'est pas juste un assassinat, c'est un holocauste. Ils l'ont troué de balles, ils l'ont criblé de balles, ils ont tiré sur sa femme, ils auraient pu la tuer. Je vais vous dire pourquoi ils ne l'ont pas tuée. Ce n'est pas une erreur, hein? Tout ça, c'est de la communication politique. Pour ceux qui pensaient que l'assassinat du président n'a rien à voir avec la politique, franchement, vous êtes des enfants. Toute opération militaire a une visée politique, ok? Parfois, les militaires eux-mêmes ne savent pas à quelle fin politique ils travaillent, mais toute opération militaire a une visée politique. Écoutez bien. Ils tuent le président, ils assassinent le président de 12 ou 13 balles, ils blessent sa femme de 3 balles ou 4, ils repartent. Et vous notez quoi? Pas un pétard n'a été tiré. Les hommes de la sécurité du président entendent ces rafales à l'intérieur de la résidence du président et ils ne réagissent pas, les amis. Il ne s'agit pas de mercenaires. Le président Jovenel Moïse a été livré par sa garde rapprochée au service qui est au service de Michel Martelly. La garde rapprochée, c'était les hommes de Michel Martelly. Ok. Ils finissent leur boulot. Ils repartent. À date, aucune action n'est posée. Moi, j'ai une amie, encore une fois, moi je dors à 1h30, mon Dieu, qui m'avait déjà informé dès 1h30. En me réveillant, j'ai vu qu'elle m'avait laissé un message pour dire que le président Jovenel a été assassiné. Moi, quand je me suis réveillé vers 5h32 le matin et que j'ai appris la nouvelle, waouh, comme tout le monde, j'étais choqué. Écoutez bien, les amis. Vers 9h30 du matin, je syntonise la télévision nationale d'Haïti. Qui est une télévision d'État, c'est pas une chaîne privée là, c'est la voix officielle de l'État haïtien. La télévision nationale d'Haïti, vous savez, vers 9h32, qu'est-ce qu'elle diffusait? Le concert symphonique d'un orchestre symphonique d'Europe. Il faut être haïtien pour faire ça. À 9h32 du matin, la télévision nationale d'Haïti, le mercredi 7 juillet, diffusait le concert d'un orchestre symphonique de l'Europe. Et les gens étaient en smoking. Entre-temps, toutes les télévisions du monde annonçaient en boucle et en manchette que le président d'Haïti venait d'être assassiné. Même la France, qui a 6 heures de décalage avec Haïti, annonçait déjà la nouvelle. Les États-Unis annonçaient la nouvelle. Le Canada, tout le monde, la télévision d'État d'Haïti jouait un concert d'un orchestre symphonique. La police n'a fait rien, le chef de gouvernement. Le ministre de facto et par intérim, Claude Joseph, me faisait rire. Waouh! Écoutez bien, suivez bien mon sarcasme. Des hommes sont entrés chez le président, ils l'ont troué de balles. On voit des impacts de balles dans les murs de la résidence du président. La police ne réagit pas. Mon Dieu, si je ris, ce n'est pas parce que c'est risible, c'est parce que c'est tragique. Les politiciens haïtiens sont des comédiens. À 9h32, la télévision nationale d'Haïti joue un concert de l'orchestre symphonique d'Europe, les amis. Ah, mais c'est quelque chose, hein. Les gens sont smoking, waouh. Ok. Mettons vers 10h30, 11h, qui on voit apparaître? Le premier ministre de facto, d'un calme olympien. Le chef de la police haïtienne, qui disent tous les deux, nous avons appris la nouvelle de la mort de notre président, mais tout est sous contrôle. En bon haïtien, j'aurais dû dire que le colon me guette. Il faut avoir du front tout autour de la tête. Le premier citoyen haïtien vient d'être troué de balles. Et le premier ministre qui venait d'être congédié par le président, ça c'est important ça les amis, car il faudra se demander, mais à qui profite le crime? Le jour même où le nouveau premier ministre devait être installé, le président a été
assassiné au cours de la nuit, et le premier ministre de facto arrive et dit, mais tout est sous contrôle, flanqué du chef de la police, que le colon le guette. Tout est sous contrôle. Le président a été assassiné chez lui. Tout est sous contrôle. La première dame a reçu 3 balles. Tout est sous contrôle. La garde rapprochée du président n'a pas été arrêtée. Oh là là, mais que le colon le guette. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi un état de siège. Ils ont fermé les frontières. Et dans leur conférence de presse, les amis, je dois chercher mes notes, rigueur oblige. Ils ont dit, l'assassinat du président criblé de balles à son domicile dans la nuit de mardi à mercredi a été perpétré par un commando armé de 28 assaillants. C'est ce que la police a annoncé jeudi soir. Wow! Donc ils ont un service de renseignement qui marche. Le jour même, la police savait déjà que le président a été assassiné par un commando de 28 assaillants. Wow! Donc le service de renseignement haïtien marche. Bravo! C'est mieux que la CIA. La police haïtienne a arrêté 15 Colombiens et 2 Américains d'origine haïtienne. Et mieux, ils savaient où ils étaient terrés. Ils étaient terrés à l'ambassade de Taïwan. Mais bravo, messieurs Léon Charles et Claude Joseph. Mais que le colon me guette. Non, mais morts, ils sont forts. Le président vient d'être assassiné. Le matin, ils disent tout est sous contrôle. C'est normal, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Il faut décoder le langage. En herméneutique, science de l'interprétation, le vouloir dire est dans le dire, les amis. Et le soir même, ils ont arrêté 15 Colombiens et 2 Américains. Mais bravo, la police haïtienne, vous êtes efficace. Ok, maintenant, fini le sarcasme, on va regarder quelque chose. Depuis quand la police haïtienne était aussi efficace? Exemple. Un ancien militaire haïtien, avocat, Yves Voulet, est assassiné devant le quartier général de la police le 13 octobre 1987, depuis 34 ans. Il venait dire aux policiers... Vous n'avez pas le droit de détenir mon client, c'est illégal. Il avait la constitution haïtienne entre les mains, c'est illégal. Il avait le code pénal. Ils l'ont abattu. Piou, piou. Et vous savez quoi? L'enquête se poursuit depuis 34 ans. On ne sait toujours pas qui a fait ça. Autre exemple. Le célèbre journaliste haïtien Jean-Léopold Dominique est abattu dans la station de sa radio le 3 avril 2020. Depuis 21 ans, les amis. Alors, le 3 avril 2000, depuis 21 ans, les amis, vous savez quoi? L'enquête se poursuit après 21 ans, on cherche encore qui a fait ça. Maître Montferrier d'Orval, le bâtonnier des avocats de Port-au-Prince, un spécialiste du droit constitutionnel, est assassiné chez lui, à quelques encablures de la maison du président, le 28 août 2020, depuis plus d'un an. Vous savez quoi? L'enquête se poursuit. Waouh! Une semaine avant la mort, enfin avant l'assassinat de Jovenel, on a assassiné pas moins de 12 personnes, entre autres cette militante Antoinette Duclerc. Et vous savez quoi? L'enquête n'a même pas commencé. Bravo la police! Le président a été assassiné sans que sa garde du corps n'ait réagi. Pas un seul pétard n'est venu du camp de la garde du corps du président. Les assaillants sont entrés chez le président. La police, Léon Charles, n'est pas venu. Il n'y a pas eu de renfort. Et après que le président a été assassiné, le soir même, on a arrêté les mercenaires et on a su que c'était un commando de 26 personnes. Mais waouh, bravo Léon Charles, mais que le colon me guette. Vous savez quoi? Il faut foutre Léon Charles en prison. Il faut foutre Claude Joseph en prison. Il est le premier bénéficiaire du crime. Le jour même, malgré le fait que Claude Joseph est un premier ministre de facto, démissionnaire, donc il avait déjà remis sa démission au président. Un nouveau premier ministre, de facto, en Haïti on est dans de facto et non dans de jure, a été nommé le jour même. Il a fait modifier sa notice biographique sur Wikipédia. Monsieur est un docteur en politique publique des États-Unis, un ancien professeur, etc. Et désormais il n'était plus premier ministre, il était président. À qui profite le crime, selon vous? Quand un crime se commet, il faut se demander à qui profite le crime. Je vais vous aider à comprendre ça. Disons que j'ai plein de difficultés économiques. Je suis un homme d'affaires et puis mes compagnies sont sur le point de faire faillite, la banque me menace de saisir tout ce que j'ai. Mais ma femme, elle, a une assurance, on va dire de 10 millions. Vous suivez mon raisonnement? Et
je suis le seul bénéficiaire des assurances de ma femme de 10 000 euros. J'ai des difficultés financières énormes, etc. Mes compagnies sont en train de faire faillite, la banque me menace, blablabla. Sauf que j'ai une femme, toujours vivante, qui a une assurance de plus de 10 millions, dont je suis le bénéficiaire unique. Comme par hasard, tandis que je fais face à toutes ces difficultés, un beau matin, ouf, ma femme qui jouissait d'une santé impeccable, ouf, est morte d'une crise cardiaque. Ou alors, elle est sortie faire l'épicerie, et comme par hasard, on est entré dans l'épicerie, on a tiré sur personne d'autre que sur elle. Vous savez quoi? La police a enquêté sur moi. Les policiers vont dire, c'est un témoin d'intérêt. Au nom de quel principe? On dit, ce monsieur-là avait tant de difficultés économiques, le timing est trop parfait. Juste au moment où la banque va saisir tous ses biens, et top, sa femme meurt, lui permettant ainsi de faire même pas sur 10 millions. La police va mettre tous mes téléphones sur une. Elle va passer au peigne fin toutes mes communications pour savoir est-ce que ce n'est pas moi par hasard qui aurait commandité l'assassinat de ma femme pour pouvoir bénéficier des 10 millions. Le crime profite trop bien à Claude Joseph pour que Claude Joseph ne soit pas interrogé par la police. Si Haïti était un pays sérieux, il ne l'est pas. C'est une république de fous, il faut changer ça. Vous savez ce qu'on ferait? Le jour même, avant même de s'intéresser aux mercenaires bidons, on aurait arrêté toute la garde prétorienne de Jovenel. On aurait arrêté le chef de la police. Pourquoi il n'a pas envoyé de renfort? Pourquoi il n'était pas au courant? Il est au courant parce que le jour même, le lendemain de l'assassinat, il savait que le président était assassiné par 28 assaillants. Wow! Claude Joseph était au courant! Dans sa première conférence de presse, il disait, dans un calme, on est bien, tout est sous contrôle. Je vous le dis, Claude Joseph savait ce qui allait se passer. Au fait, il suit une partition. Léon Charles, le chef de la police haïtienne, savait ce qui allait se passer. Il suit une partition. Les gardes du corps de Michel Martelly étaient au courant de la chose. Peut-être pas tous, mais les têtes de pont étaient au courant. Ils n'ont pas tiré un seul pétard. Il faut les foutre tous en prison. En prison préventive. Maintenant, ils ont arrêté 15 Colombiens et machin. Je vais vous expliquer comment ces choses-là se passent. Écoutez-moi bien, les amis, on apprend sur cette chaîne. Likez, hein, s'il vous plaît. Abonnez-vous, là, si vous voulez connaître les vraies affaires, c'est sur cette chaîne qu'il faut venir. Quand on a une opération militaire de cette envergure, il y a toujours deux équipes, les amis. Suivez-moi bien. Une équipe d'élite qu'on appelle l'équipe A. C'est là-dedans que tu retrouves les meilleurs tireurs. Et une équipe B qu'on appelle de decoy, en anglais, les anglo-saxons. Vous savez, en matière de sécurité, le vocabulaire demeure quand même anglo-saxon. Decoy, D-E-C-O-Y, c'est pour leurre, c'est pour bluff, c'est pour trompe-l'œil. Donc, vous avez une équipe A, écoutez bien, qui est l'équipe d'élite, qui, elle, est informée de ce qu'elle va faire, véritablement, qui prépare son entrée aussi bien que sa sortie. Quand il y a une opération de cette envergure, exemple, quand les États-Unis d'Amérique devaient assassiner Ben Laden, ils ont préparé l'opération minutieusement. Ils ont reconstruit dans un désert aux États-Unis le complexe où vivait Ben Laden à la perfection pour pouvoir s'entraîner. Jusque-là, ils savent qu'ils s'entraînent pour une opération de haute envergure, mais on ne leur dit pas encore parce qu'il ne faut pas que la chose s'ébruite. Parce que l'ennemi, lui aussi, il a ses agents d'information à l'intérieur de nous. Et le jour même, maintenant on sait, parce que certains Navy SEAL parlent de cette opération, il y en a même un qui a écrit un livre. Le jour même, souvent lorsqu'ils sont sur le vol, on leur dit, voici la cible. Voici le package. Ça va. Ah, désormais, ils savent que c'est bien là. Mais leur entrée comme leur sortie, il faut préparer aussi minutieusement la sortie parce que si vous avez réussi à tuer la personne, mais que vous échouez dans votre sortie, la mission est foutue parce que par l'équipe A, on va pouvoir remonter jusqu'au commanditaire. Donc, l'équipe A est au courant de ce qu'elle va faire et la sortie a été aussi bien préparée, sans bavure jusque-là. C'est un papier à musique, tout a été respecté jusque-là, écoutez bien. Maintenant, il y a une équipe B qu'on appelle de decoy. L'équipe B, elle ne sait pas la nature véritable de sa mission. Et c'est là où Jovenel Moïse a été trompé. Jovenel Moïse a fait appel, au cours des dernières années, au cours des derniers mois, à des compagnies privées pour la sécurité. Sa sécurité personnelle, la sécurité de quelques-unes des entités de l'État. C'est tellement vrai, les amis, que je vous rappelle quelque chose. Quand Henri Séan était premier ministre,
et que ça n'allait plus entre Jovenel Moïse et Henri Séan, et que Jovenel Moïse était sur le point de congédier Henri Séan. Vous vous souvenez de cette nouvelle? Une bonne fois, on a arrêté deux hommes hautement armés à l'aéroport de Port-au-Prince. Et lorsqu'on a demandé à Henri Séan pourquoi ces hommes-là sont arrivés, il a dit lors d'une entrevue à Radio-Canada, ces hommes-là sont arrivés pour me faire assassiner. Et il sous-entend, c'est Jovenel Moïse qui les a fait entrer pour me faire assassiner. Donc Jovenel Moïse a l'habitude de faire entrer des agents étrangers pour sa sécurité, etc. La preuve, c'est que les Colombiens qu'on a arrêtés là, les soi-disant Colombiens, c'est d'anciens membres de l'armée colombienne qui étaient domiciliés, écoutez bien, dans une maison louée par l'un des bras droits de Jovenel Moïse, Madame Magali Habitant. Tout le monde sait que Madame Magali Habitant, c'est l'une des personnes les plus proches de Jovenel Moïse. Madame Magali Habitant a dit, la maison où se trouvaient ces gens-là, c'était pas ma maison, c'est moi qui l'ai affermée. Donc, ces gens-là travaillaient pour Jovenel Moïse. Dans leur tête, ils étaient là, ces Colombiens, pour la sécurité du président. Eux, ils étaient l'équipe B, ce qu'on appelle de decoy. Apprenez l'expression. Voici ce qui s'est passé, les amis. J'ai eu mes sources. Jovenel Moïse ayant été assassiné par l'équipe A, je ne parle pas d'assaillants ni de mercenaires, foutaise que ça. C'est des Haïtiens, ils parlent créole, sûrement qu'il y a des étrangers parmi eux, mais ça change quoi? C'est des gens qui sont grassement payés. L'équipe A ayant accompli sa besoin et se retire, écoutez bien les amis. Et maintenant, l'équipe A appelle l'équipe B, le decoy, pour dire à l'équipe B, venez en renfort, car le président est en danger. Et c'est alors que l'équipe B se précipite, selon sa mission, le decoy, sa mission de trompe-l'œil, pour apporter secours au président. Et là, l'équipe B a trouvé le président baignant dans son sang et la première dame en difficulté. Et c'est cette équipe B qui a appelé l'ambulance pour venir secourir la première dame. Et la première dame a été amenée dans une ambulance à l'hôpital. Donc, si Claude Joseph et Léon Charles ont arrêté des gens, ils n'ont pas arrêté les vrais tueurs. Ils ont arrêté le decoy. L'équipe trompe-l'œil, qui elle, a été engagée par Jovenel Moïse pour sécuriser Jovenel Moïse. Et l'équipe B est arrivée en renfort. Et là, elle a été prise, cette équipe-là, dans une espèce de traquenard. Et ce sont ces gens-là qu'on vous montre. Quand il y a ces opérations-là, il y a toujours une équipe B qu'on est prêt à montrer pour le show, pour le spectacle. En général, d'où vient l'équipe B, je vais vous le dire. Vous avez des tueurs à gages qui ont été arrêtés dans leur pays ou bien d'anciens militaires qui ont fait leur carrière militaire et qui maintenant ont besoin d'argent, offrent leur expertise de professionnels des armes à tout pays. Okay. Parfois, vous avez des gens aussi qui font de la prison parmi eux. Disons, quelqu'un est condamné à la prison pour meurtre pour 25 ans. À un moment donné, on va faire un deal avec eux. On va leur dire, vous êtes condamné pour 25 ans, on a une mission pour vous. Si vous participez à la mission avec nous, non seulement vous n'aurez plus à faire de la prison, mais on va vous donner un montant X. Ces Colombiens-là, eux, ils étaient embauchés pour ça, pour la sécurité du président, c'est d'anciens militaires, etc. Et eux, c'est avec eux qu'on fait le show. Vous savez ce qui va se passer? Mettez mon analyse, ma capacité d'analyste à l'épreuve. On va les garder dans la prison haïtienne quelques temps, et après, les pays d'où ils sont les ressortissants vont les réclamer. Ici, la Colombie, les États-Unis, etc. Et après, on n'entendra plus parler d'eux. Case closed. C'est un show, les amis. L'assassinat de Jovenel Moïse a été écrit sur un papier à musique et tout se déroule comme c'est prévu. Ok. Vous notez quelque chose? Jovenel Moïse a été assassiné dans la nuit de mardi à mercredi. Dès le mercredi, les États-Unis d'Amérique et le Mexique réclament une réunion d'urgence au sein des Nations Unies comme s'ils n'étaient pas au courant. Ah, ils se foutent de la gueule des Noirs. Hein? Et le lendemain, unanimement, le Conseil de sécurité des Nations Unies disent trois choses. Nous condamnons ce qui s'est passé, nous réclamons une enquête, quatre choses au fait, nous appuyons le Premier ministre, vraiment. Et quatre, nous réclamons des élections en septembre, dans moins de deux mois. Avez-vous déjà vu ça, vous? Étudiant en relations internationales. Un président a été assassiné. La police n'a pas réagi, le Premier ministre en fonction, quoique de facto, n'a rien fait. Et 48 heures plus tard, l'ONU donne son appui en disant « Nous sommes avec lui, nous avalisons Claude Joseph parce qu'il nous a promis des élections dans deux mois, les amis. » Le président Jovenel est assassiné
dans la nuit du 6 au 7 juillet. Et le Premier ministre, à la demande des États-Unis et des Nations Unies, promet des élections dans 2 mois. Aucun pays du monde ne pourrait faire ces élections-là. Les États-Unis eux-mêmes ne pourraient pas organiser des élections en 2 mois. Moi qui suis l'actualité internationale depuis au moins une bonne trentaine d'années, j'ai jamais vu les Nations Unies avaliser si rapidement un politicien bénéficiant soit d'un coup d'État ou de l'assassinat de chef d'État en fonction sans qu'il n'ait demandé des comptes à ce chef de gouvernement. Non, c'était écrit cette feuille à musique. On parle Claude Joseph, on demande des élections dans 2 mois. Et là, vous notez quoi? Sitôt Claude Joseph a été accepté, vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé aux États-Unis d'Amérique d'envoyer des troupes en renfort. Et depuis hier samedi, les États-Unis vont envoyer le FBI enquêter. Vous savez ce qu'ils vont faire, les gars du FBI? Ils vont effacer toutes les dernières traces. Ils se sont foutus de nos gueules. Le FBI va venir valider la porosité de la frontière haïtienne. Vraiment. Même les morts savent qu'il n'y a pas de frontière en Haïti. Ils veulent effacer les dernières petites traces de l'enquête. Chers amis, l'assassinat de Jovenel Moïse semble porter la signature des gars du Navy SEAL. Il n'y a que les Navy SEAL ou le Mossad ou le Scotland Yard qui puisse réaliser une mission si parfaite sans bavure. Les experts américains sont entrés en Haïti pour rencontrer se foutent de notre gueule le premier ministre démissionnaire, Claude Joseph, de facto, le premier ministre nommé de facto lui aussi, le docteur Ariel Henry, et le président du Sénat haïtien, Joseph Lambert. Mais ça, c'est se foutre de notre gueule. Je vais vous dire rappeler quelque chose. Depuis plus d'un an, depuis janvier 2020, donc depuis plus d'un an, le Parlement haïtien est caduc. Il n'y a pas eu d'élection pour le renouvellement du Parlement. Et, écoutez bien, sur les 30 sénateurs qu'on devrait avoir, il n'y a que 10 sénateurs qui sont encore là. La loi haïtienne prévoit que pour qu'il y ait quorum au sein du Sénat, il faut une majorité de 50 plus 1. 50% plus 1. 50% de 30, c'est quoi? C'est 15 plus 1, c'est 16. Donc, le Sénat n'a même pas quorum pour se rencontrer. Donc, il n'y a pas de Sénat. Joseph Lambert n'est président de rien. Les États-Unis le rencontrent. Ils vont décider pour le peuple haïtien sans le peuple haïtien. Ils ont ce que l'haïtien appelle un marché pressé. Ils veulent faire du cover-up. Ils veulent faire, dans le délicieux créole haïtien, du casse-feuille, couvrir ça. Parce que ils veulent pas qu'on voit clair à ce qui se passe là. Ce qui se passe là, les amis, c'est de la high politics. Hein? Les services secrets américains décident de supprimer Jovenel pour crime de lèse-majesté. Ils l'ont fait en complicité avec les oligarques qui ont financé cet assassinat et le PHTK qui l'a initié. Vous entendez mes phrases? Les services secrets américains ont donné leur accord pour supprimer Jovenel Moïse avec la complicité des oligarques qui l'ont financé et le PHTK de Michel Martelly qui l'a initié. Les verbes sont importants. Jovenel Moïse, c'est la mine de 3 tirs croisés venant de 3 forces réactionnaires, les mêmes en Haïti. Vous savez ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous faire une solution à la négraille. C'est des nègres, ils vont rien faire, vous savez. On va leur donner une solution, une espèce de pansement sur leur cancer, vous savez. On va parler à Lambert, qui n'est président de rien du tout. On va parler à Claude Joseph, qui n'est premier ministre de rien du tout. On va parler à Ariel, qui lui n'est premier ministre de rien du tout. On se retrouve dans une situation, écoutez bien ma formule, c'est la formule consacrée, de chaos organisé. C'est un oxymore, je suis conscient. S'il y a chaos, il n'y a pas d'ordre, donc on ne peut pas parler d'organisation. Mais vous savez ce que font les services secrets? La France fait tout le temps ça dans les pays africains. Ils organisent un chaos. Le chaos devient tellement complexe que eux qui l'ont organisé vont venir mettre de l'ordre dans le chaos. Ça s'appelle la stratégie du Deus ex machina. Ils créent le chaos et après ils émergent comme celui qui va mettre de l'ordre dans le chaos. Ils vont dire, écoutez, d'abord, ils vont envoyer le FBI effacer les dernières traces. Ils vont envoyer des militaires, à la demande de Claude Joseph, sécuriser les lieux. Vous savez, je vous avais dit,
Le jour même où le dernier président d'Haïti a été assassiné en juillet 1915, ce jour-là, les Américains, ce jour-là même, nous ont occupés pour 19 ans. Et là, c'est le début d'une réoccupation militaire, peut-être. Ils vont nous donner un Lambert, etc. Ils vont garder Martin Moïse comme carte. Ils vont scripter. Ils vont dire à Martin Moïse à chaque fois ce qu'elle doit dire. Parce que, je vais vous dire le dire. Ils disent à Martin Moïse, vous savez, on a tué votre mari. On aurait pu vous tuer aussi. Maintenant, vous êtes chez nous. Hein. Si vous faites ce que nous vous demandons de faire, vous allez pouvoir jouir des biens de votre mari. Votre mari était trempé dans la corruption, etc. Mais n'oubliez pas, vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Et là, on vient toucher à la corde sensible. Vous notez qu'on garde là, le maillon le plus faible. Si vous assassinez un homme, il devient... Si vous assassinez l'épouse de quelqu'un, il devient durci, là. Vous assassinez un mari, vous laissez les enfants. La femme qui a un instinct protecteur, elle veut protéger ses enfants. Les services secrets vont dire un message à peine voilé. Et vos enfants, nous savons qu'ils sont en sécurité, nous pouvons assurer leur sécurité. Ils peuvent même offrir l'asile politique à Martine Moïse. Même Martine Moïse doit lire le message qu'on lui écrit. Tout ce qu'elle dit va être scripté. Je l'avais prédit depuis vendredi dernier. J'ai dit à Radio Zénith, et on va mettre cette entrevue sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez valider ce que je vous ai dit. J'ai dit vendredi dernier, Martine Moïse va dire exactement ce que l'État haïtien est en train de dire. À savoir, mon mari a été assassiné par des mercenaires. Et là, on va se servir de Martine Moïse pour légitimer l'assassinat. Comme on s'est servi de René Préval pour légitimer le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide. Comme on s'est servi de Joseph Kabila chez vous en Afrique pour légitimer la mort de Laurent, comment il s'appelle là, l'autre Kabila, le père Kabila, la mort de Laurent Désiré Kabila. Jovenel Moïse est assassiné, les amis, pour sauver le régime. Vous savez comment on appelle ça en sciences politiques? L'assassinat de Jovenel Moïse, c'est un mécanisme d'auto-régénération du système. Le système se régénère lui-même en mangeant de temps en temps quelqu'un qui mettait le système en danger, et le système va produire quelqu'un qui va venir comme le garant du système. Suivez bien. On risque d'avoir une Martine Moïse dans les prochains jours candidate à la présidence au nom de la lutte que menait son mari. Et ce coup-là, je vous ai prévenu, aura été planifié aussi par les services secrets. Maintenant, on va faire une lecture mystique de ce qui s'est arrivé. Je ne suis pas théologien pour rien. Je vais vous proposer une lecture akashique, une lecture karmique de l'assassinat de Jovenel Moïse. Au fait, Jovenel Moïse a été assassiné pour les mêmes raisons que Jean-Jacques Dessalines a été assassiné. Au fait, je vais vous utiliser une expression technique. L'assassinat de Jovenel Moïse, c'est la perpétuation de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Tu es en train de dire que Jovenel Moïse est un Jean-Jacques Dessalines? Non, mais c'est le même karma qui revient. Je vais vous montrer les similarités, les points de similitude. Pétion, c'est un mulâtre qui n'a jamais été esclave, qui faisait partie de l'équipe ou de l'armée de Rigaud dans le sud et qui se battait contre Toussaint Louverture, le révolutionnaire des nouveaux libres, des esclaves d'hier. Louverture l'a emporté sur Rigaud. Les hommes de Rigaud, les mulâtres, etc., y compris Pétion, Boyer, sont entrés en France. Pétion revient avec Leclerc pour combattre qui? Les Noirs. Et pour les rétablir dans l'esclavage. Pétion et Dessalines ont croisé le fer à Crète à Pierrot. Hein? Un héros et un anti-héros. Un héros et son anti-type. Dessalines se battait à Crète à Pierrot comme le libérateur des esclaves. Et Pétion, comme celui qui devait ramener les Noirs dans l'esclavage. Ils ont croisé le fer. Pétion et Dessalines. Et malheureusement, on sait comment Crète à Pierrot s'est soldé. Les Noirs ont laissé Crète à Pierrot et Leclerc a connu une victoire dans un premier temps. Donc, de Pétion. Victoire de Pétion aussi. Quelques temps après, Pétion réalise que non, le véritable projet de Leclerc et de Rochambeau, c'est d'assassiner tous les mulâtres ou les Noirs, de les exiler et de ne laisser à Saint-Domingue que des Noirs de moins de 12 ans. Pétion a dit que le colon me guette, je me suis fait avoir. Pour se battre contre les Français, Pétion a besoin de Dessalines pour donner
une apparence populiste à son combat. Et c'est Pétion qui est allé voir Dessalines, ne l'oublions pas. Hein. C'est Pétion qui a proposé à Dessalines de faire la paix pour mener une lutte commune pour la libération d'Haïti. Dessalines a accepté, Pétion a cédé le leadership des armées à Dessalines, et ces deux-là se sont entendus, les anciens libres, les mulâtres, et les nouveaux libres, les noirs, ils ont botté le cul aux Français. Fine. Jusque-là, on a presque envie d'applaudir Pétion. Ne s'est-il pas rapproché de Dessalines, donc des masses noires? Ok. L'indépendance haïtienne, une fois proclamée, pour le 1er janvier 1804, Dessalines commença à mettre en œuvre des politiques de réforme pour que les noirs puissent bénéficier aussi du butin de guerre qu'étaient les propriétés. On se souvient tous de sa proclamation. Et les pauvres nègres dont les pères sont en Afrique n'auraient-ils donc rien? Les mulâtres disaient, les terres nous appartiennent parce qu'elles appartenaient à nos pères blancs. Dessalines a dit, mais que le colon de guerre et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique n'auraient-ils donc rien? Lorsque Dessalines a voulu initier une réforme après la révolution, Pétion l'a fait assassiner. Et depuis ce temps, Haïti est gouverné par trois forces réactionnaires. Une classe politique qui va devenir traditionnelle. Si vous suivez l'histoire d'Haïti, sensiblement jusqu'à la rêve, jusqu'à l'occupation américaine, les gens qui ont occupé le pouvoir, c'était des grands soldats ou des grands officiers de la guerre de l'indépendance. Ils disaient, le pouvoir nous revenait de droit. C'est le hold-up du pouvoir. L'oligarchie possédant, les terres ont été données aux gros officiers de l'armée et à quelques civils, grands commis de l'État. Et donc, depuis ce temps, Haïti est gouverné par une oligarchie et une classe politique traditionnelle. On supprime Dessalines après qu'il a accompli l'indépendance et désormais, c'est l'oligarchie possédante, la classe politique traditionnelle et l'international. Je vous ai dit lors de mon dernier live, 3 ou 4 mois avant l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, un journal de Philadelphie aux États-Unis, dans l'État de Pennsylvania, avait dit que l'empereur allait être assassiné. Donc c'était décidé dans les officines des grandes puissances internationales. Maintenant, regardez le karma. Michel Martelly, un pétionvillois, un petit bourgeois, qui a toujours pris langue avec les oligarques, a fait un mandat de 5 ans. Mais tout le monde savait que c'était un mandat de pétionvillois, de petits bourgeois, travaillant pour les oligarques. Les oligarques ont senti le besoin de donner une apparence de masse à ce pouvoir. Qu'a fait Michel Martelly? Il aurait pu choisir Laurent Lamothe, petit bourgeois pétionvillois comme lui, non. Il était allé chercher un paysan, fils de paysan, quelqu'un de la masse, comme Pétion avait fait pour Dessalines. Il lui confie le pouvoir, comme Pétion avait confié le leadership de l'armée indigène à Dessalines. Jovenel étant installé au pouvoir, Michel Martelly jouait le marionnettiste, comme Pétion a voulu le faire. Et lorsque Jovenel Moïse a voulu se rejeter contre la tutelle de Martelly et donc contre la tutelle des oligarques, qu'est-ce que les trois forces ont aussi fait, comme ils ont fait pour Dessalines? Ils l'ont supprimé. Ça s'appelle une lecture akashique de la politique. La mystique et la politique, pour nous les Noirs, mais pour toute personne sérieuse, ne doivent jamais être séparées. Au fait, c'est la perpétuation du crime de Dessalines. C'est Pétion qui tue une fois de plus un fils de la paysannerie. Vous savez pourquoi c'est arrivé? Et ça va arriver à moins qu'on fasse trois choses. On a assassiné Jean-Jacques Dessalines, on ne lui a pas donné des funérailles dignes. Nous avons une dette. Le karma revient. On a assassiné Jean-Jacques Dessalines, justice ne lui a jamais rendu. Il n'y a jamais eu enquête. Je vous ai dit, Jean-Jacques Dessalines a été assassiné, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de justice. Cincinnatus Lecomte a été assassiné au pouvoir, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de justice. Le président Sam a été assassiné, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas de justice. Et Jovenel arrive. Il ne faut plus que ça arrive. Il faut, si on ne veut pas que ça revienne comme karma, il faut donner des funérailles nationales dignes à Jovenel Moïse. Jovenel Moïse n'était pas un saint. Il était corrompu lui aussi. Mais c'est un fils de la patrie. Il faut lui donner, selon le protocole républicain, des funérailles dignes. La nation doit observer un minimum de 3 jours de deuil. Moi, le premier, je vais respecter cela.
c'est le premier citoyen haïtien qui a été assassiné. Deuxième chose qu'on devra faire, il faudra qu'il y ait une enquête pour trouver les commanditaires nationaux et internationaux, les exécutants nationaux et internationaux de ce crime. Le sang appelle le sang, les amis. Et trois, il faut que les criminels payent pour cela. Sinon, ça va revenir comme karma. Il faut qu'il y ait des funérailles dignes. Dans la spiritualité noire, les funérailles sont importantes. Ce n'est pas juste une affaire de protocole. Il faut renvoyer en paix le défunt. De ce qu'on n'avait pas fait pour Dessalines. Les Spiroliens. C'est le scientifique qui parle toujours, mais vaudourologue quand même. Deux, il faut qu'il y ait enquête. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Même si Jovenel n'était pas mon ami, je n'aimais pas ses politiques publiques, je lui reprochais énormément de choses, mais ce qui est arrivé n'aurait jamais dû être arrivé, c'est arrivé au peuple haïtien. La symbolique de la présidence a été souillée, il faut faire enquête. Et on va faire une enquête indépendante. Je vous dirai comment on va procéder mercredi prochain. J'aurai un autre live mercredi. Et trois, l'enquête doit aboutir cette fois-ci. Il faut condamner, juger et punir les commanditaires intellectuels internationaux et nationaux, les exécutants internationaux et nationaux. Et puis là, on va arrêter le cycle karmique de ce patricide qui a été commis au début de l'histoire de la nation. C'est pour ça qu'Haïti, mystiquement, est aussi instable. Le pays est construit sur l'impunité. C'est la justice qui élève une nation. L'international, les oligarques et le PHTK commandent le meurtre de Michel Martelly et puis ce serait resté impuni? Vraiment? Comment on change ça? Je vais vous lancer une idée que je vais développer mercredi prochain. Je vais lancer un mouvement. Vous savez, ce n'est pas un parti politique qu'il faut. C'est un mouvement. Les États-Unis peuvent casser un parti politique. Ils peuvent casser un homme. Les oligarques peuvent bouffer un homme. Mais ils ne peuvent pas détruire un mouvement. Vous savez, la seule fois où les États-Unis ont tremblé dans leurs pantalons, là, où ils ont pissé sur eux-mêmes, c'était lors du mouvement de Lavalas. Attention, hein, je ne suis pas Lavalas. Hein. Jean-Bertrand Aristide, le président Jean-Bertrand Aristide, a commis plusieurs erreurs aussi. Là. Jean-Bertrand Aristide, comme personne, n'est pas un saint, Jean-Bertrand Aristide. Mais la seule fois où on a eu des élections démocratiques en Haïti et que les États-Unis ont pissé dans leurs pantalons parce qu'ils n'ont pu rien faire, c'était parce qu'il y avait un mouvement à Lavalas. Nous allons créer un mouvement, les amis. Pas un parti politique. J'ai un nom pour vous. On va l'appeler CASH. C'est un sigle de 4 lettres. CASH, le C pour communauté. A pour action au pluriel. S pour stratégie. H pour Haïti. Retenez bien. C'est déjà enregistré ce nom. OK. CASH. Communauté d'action stratégique pour Haïti. Pourquoi communauté? Dans ce mouvement, je veux avoir le plus d'Africains que possible. Le plus d'Afro-descendants que possible. Le plus d'Haïtiens que possible. Parce que vous savez quoi? Haïti, c'est l'Afrique en Amérique. Haïti, c'est le phare du monde. Mystiquement, historiquement, Haïti a contribué à la fondation de l'État d'Israël. Si Haïti n'avait pas voté pour Israël, Israël n'aurait pas existé aujourd'hui. Haïti a contribué à l'indépendance de la Grèce. Haïti a contribué à la libération de tant d'autres pays. Pensez à la Colombie, au Venezuela. Haïti, c'est le berceau de la libération des peuples, les amis. Même les Irlandais qui luttaient contre l'Empire britannique au XVIIIe siècle, regardaient vers Haïti. Les esclaves américains, pensons à des Nat Turner, ils portaient sur eux des amulettes à l'effigie de Toussaint Louverture ou de Dessalines. Haïti, c'est le berceau de la libération. Si on relève Haïti, toute l'Afrique va être levée. On va créer un mouvement. Ça va s'appeler CASH, Communauté d'Action au pluriel, stratégique, pour Haïti, C-A-S-H. Ils ne peuvent pas nous voler, le titre est enregistré. On va avoir trois axes d'action. Un axe juridique. On va faire appel à tous les spécialistes du droit international. Nous allons
porter l'assassinat de Jovenel Moïse devant les instances internationales. Ce n'est pas le FBI qui va nous dire ce qui s'est passé. Le FBI, la CIA, les Navy SEALs sont dedans. C'est pour ça qu'ils se sont précipités pour aller effacer les traces. Je vais faire appel à tous les experts de bonne volonté, noirs, afro-descendants, antillais et toute personne de bonne volonté. Prioritairement africaine, afro-descendante, antillaise, mais une personne blanche aussi. Je vais vous dire pourquoi. Lors de la guerre de l'indépendance d'Haïti, des Français blancs ont lutté aux côtés des esclaves contre les Français. Donc, ce n'est pas le fait d'être blanc qui vous disqualifie pour une cause noble. Je veux vous tendre la main aussi. Toute personne de bonne volonté. Notre premier axe va être judiciaire ou juridique. Notre deuxième axe va être politique. Il faut prendre le pouvoir dans ce pays. On va casser le cycle qui consiste à se faire imposer des gens. Les États-Unis vont sûrement nous imposer pendant quelques temps la Lambert, machin, ok? Arrêtons les conneries, ok? Il faut congédier la classe politique traditionnelle haïtienne. Le pays doit être géré par des gens compétents, non issus de la classe politique traditionnelle. Alors, ce que les États-Unis vont nous proposer là, ils peuvent bien le mettre là où je pense. On va avoir un axe politique et on va avoir un axe économique. On ne peut rien faire sans argent. On aura besoin d'argent, de beaucoup d'argent, pour mener l'assassinat de Jovenel Moïse devant les entités juridiques internationales. Pour une fois, on va traîner des gens devant la justice. Désormais, c'est les oligarques qui doivent avoir peur, plus le peuple haïtien. Il faut qu'ils pissent dans leurs pantalons, qu'ils ne sachent plus où se cacher. Vous savez, ces gens-là qui sont arrivés chez nous vers la fin du 19e siècle et qui désormais nous dominent, ça va arrêter là. Vous savez quoi? J'ai un ami, Bilolo Congo, qui a dit justement, Haïti, c'est le seul pays où juifs et arabes s'entendent. C'est le seul pays où on peut entendre dans la même phrase, Alléluia et Inch'Allah. Les juifs et les arabes s'entendent dans ce pays, leurs descendants, pour opprimer le peuple haïtien. Ils veulent tout. Pensons au Bidjo, famille juive. Pensons aux autres noms, là, arabes, là. Libanais, Syriens qui sont arrivés chez nous et qui ont tout volé, qui ont tout siphonné, désormais, qui nous étouffent. Désormais, c'est eux qui vont avoir peur. Vous savez, je ne suis pas naïf, hein? Je peux mourir là-dedans. On s'en fout, ils ne peuvent pas nous tuer tous. Si je meurs, vous allez me remplacer. Le troisième axe va être économique. Bientôt, on va vous donner des informations et vous allez faire des dons, pouvoir faire des dons. Tout va se faire dans la transparence. Ceci qui consiste, parce qu'on est noir, mais quel manque de respect des Nations Unies, quel manque de respect de l'Union Européenne. Un président vient d'être assassiné, l'Union Européenne, les Nations Unies de Madame Lalim, les États-Unis de Bin Laden réclament des élections à un peuple qui n'a même pas fait son deuil en moins de 2 mois. Mais que le colon me guette. Comment osez-vous traiter ainsi la première République noire indépendante? C'est ce que vous voulez nous faire payer. Vous voulez nous humilier parce qu'on vous a botté le cul. Je n'ai pas peur de vous, vous savez. Si vous m'assassinez, ce qui est possible, d'autres vont prendre la relève. C'est ce que Toussaint Louverture avait dit. Bonaparte a renversé Toussaint Louverture. Il l'a affamé, il l'a privé de soins médicaux. Dans les geôles de Fort de Joux, ils l'ont assassiné. Mais Toussaint Louverture avait dit 2 phrases. Une que vous connaissez, une autre que vous connaissez moins. En laissant Saint-Domingue, il a dit, en me renversant, vous ne faites rien, bande de crétins. Vous ne faites qu'abattre l'arbre de la liberté des Noirs, mais cet arbre va repousser par ses racines, parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Moins d'un an après, l'indépendance d'Haïti a été réalisée par les officiers même de Toussaint Louverture. Donc, en renversant un homme, en assassinant un homme, bande de crétins, vous ne faites rien. La deuxième phrase que Toussaint Louverture, la voici. Et je vais terminer ainsi. Cette phrase, Toussaint l'a prononcée au Fort de Joux. Dans ses échanges avec le général, comment il s'appelait, Cavalier, Sinot Sali. Il a dit ceci, vous pouvez vaincre une armée. C'est tous les jours qu'on voit une armée vaincre une autre armée. Mais écoutez la conclusion de la pensée de Toussaint Louverture. Vous pouvez vaincre une armée, mais vous ne pourrez jamais vaincre un peuple en armée. Vous avez vaincu des armées noires, mais vous ne pourrez jamais vaincre le peuple noir dont Haïti est le phare, parce que tout ce peuple-là sera en armée. Dessalines avait dit dans sa constitution,
au premier coup de canon, chaque chrétien doit être debout comme un soldat. On va lancer cash, les amis. Comité. Donc vous serez tous invités à en faire partie. Pardon, communauté. C'est une communauté d'action au pluriel, stratégique pour Haïti. Cash. Nous allons avoir trois axes. On ajoutera peut-être plus tard d'autres axes. Axe juridique. On va poursuivre ces salaires. Axe politique. Nous allons lancer un mouvement politique contre les oligarques et contre la communauté internationale en Haïti. Tiens, c'est là. De faire assassiner des présidents noirs par la France en Afrique. De faire assassiner des présidents noirs par, écoutez, le Royaume-Uni. De faire assassiner des chefs d'État africains par des Français. Le petit salaud Sarkozy est entré en Libye, il a fait assassiner Kadhafi comme ça. La France a fait assassiner Lumumba, enfin la Belgique et tous ces salauds sans justice. Et là, on assassine un président. Il ne faut plus laisser passer ça. C'est eux qui doivent avoir peur. Les oligarques doivent avoir peur de nous. Et je les emmerde. L'international doit pisser dans son pantalon. Vous pouvez vaincre une armée, mais vous ne pourrez jamais vaincre un peuple en armes. Retenez le site CASH. Communauté d'action au pluriel, stratégique au pluriel pour Haïti. Mercredi prochain, on vous dira comment ça va marcher. J'espère vous avoir été utile, les amis. Merci d'être là. Vous êtes quoi, 4020 personnes à suivre le live en direct. Likez, s'il vous plaît. Abonnez-vous. On veut avoir une masse critique sur cette chaîne pour dire les vraies choses. J'avais tout prédit dans ce livre-là. Ça a été, hélas, un livre prophétique. Vous pouvez le commander sur mon site ou sur Amazon. Mais commandez-le préférablement sur mon site. Sur Amazon, j'aurai des frais à payer à Amazon si c'est sur mon site. Même. Pas de frais. Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée. J'ai expliqué comment Haïti, et tous les pays noirs d'ailleurs, sont pris dans l'étau de triple hold-up. Hold-up du pouvoir, hold-up de l'avoir. Il n'y a pas de mobilité socio-économique vraiment dans les pays noirs. Il n'y a pas de création de richesse. Nos richesses sont accaparées par des étrangers ou par des transnationaux. Des gens qui n'ont rien à voir avec nous, qui viennent piller chez nous. Et le hold-up du savoir. Haïti a encore quoi? Près de 65% d'analphabètes, alors que Cuba a alphabétisé toute sa population en 3 ans. Lorsque Castro est arrivé au pouvoir en 59, il y avait 30% d'analphabètes à Cuba, essentiellement des paysans à la campagne. Et en 3 ans, Castro a alphabétisé tout le monde. Aujourd'hui, Cuba détient le trophée d'être l'une des nations la mieux alphabétisée. Donc, l'analphabétisme en Haïti, c'est savamment entretenu. C'est la même chose chez nous en Afrique. On se sert encore du système éducatif français. Je les emmerde. Achetez ce livre, vous allez comprendre. Notre frère sénégalais Tchekanta Diop disait, il faut s'armer jusqu'aux dents de science. Dans mon cas, c'est la science historique. Quand on connaît son histoire, on comprend l'avenir. Vous notez que le paradigme des Occidentaux pour les pays noirs n'a jamais changé depuis la conférence de Berlin. On va décider pour les peuples noirs sans les noirs. Vous notez que les Nations Unies se sont réunies à New York jeudi dernier. Ils ont décidé pour Haïti, mais sans le peuple haïtien. Quelle arrogance. On va se faire respecter. Vous savez pourquoi ils n'ont aucun respect pour nous? Parce que nos politiciens sont des chiens d'hommes. C'est des gens qui travaillent pour leur poche. Là. Regardez Michel Martelly, et puis Claude Joseph, le chef de la police, et puis, c'est des gens qui travaillent pour leur poche. Et puis, ils ont peur des blancs, même que le colon de guette. Ils ont peur des blancs. Alors que nous sommes le premier peuple de la Terre. On va faire d'Haïti un projet pilote de réussite. Et par Haïti, c'est toute l'Afrique qui va rayonner. Et on va dire, si on a pu le faire en Haïti, on va le faire chez nous aussi en Afrique. Moi, je suis africain, un Africain d'Haïti. Haïti, c'est l'Afrique en Amérique. On va leur foutre une raclée en créant un mouvement avec trois axes pour commencer. Juridique, politique et économique. Cash, communauté, je vous y invite tous. Communauté, c'est tous les Noirs de partout. Vous êtes des Haïtiens. Les Haïtiens sont vos fils. Et je n'exclus pas les Blancs, parce que des Blancs se sont battus aussi avec les Haïtiens, les esclaves, contre les Français. Donc, en tant qu'historien, je ne peux pas vous exclure.
vous êtes bienvenus si vous êtes de bonne volonté. Je sais, j'entends. Dis là, mais vous allez vous faire infiltrer. Non, on peut vous infiltrer aussi, c'est pas grave. Ou on va m'assassiner, c'est pas grave. Je ne serai pas le dernier. Mais si je meurs, vous allez faire le travail. Je n'ai pas peur de mourir. Car ceux qui me vont tuer, ils vont mourir aussi et je les emmerde. Ça va? CASH, Communauté d'Action au pluriel stratégique pour Haïti. On s'en reparle mercredi 17h30. J'espère vous avoir été utile, les amis. Quel bonheur d'être avec vous à cette chaîne. L'assassinat de Jovenel Moïse doit servir à quelque chose. Et vous qui êtes en Haïti, soyez vigilants. On ne va pas laisser les États-Unis nous imposer un pansement sur un cancer. Ils vont sûrement trouver une petite formule avec des Lambert qui n'est le président de rien du tout. Ils vont nous ramener un ancien politicien. Il faut congédier la classe politique traditionnelle haïtienne. Le pays doit être géré pendant une pause patriotique de 5 ans par des technocrates. Des gens qui sont patriotes, qui ne sont pas prêts à vendre leur pays au Clinton de ce monde. Des gens qui sont patriotes, qui sont prêts à mourir pour Haïti.